Bien, écoutez, nous allons commencer en espérant que les personnes qui ont assisté à cette journée auront leur chemin de la Sorbonne. Donc, nous en sommes à la troisième journée, du deuxième volet de la phénoménologie. La vie, journée consacrée à Lévinas et de l'être à notre enquête. Alors je rappelle rapidement l'intention de ces journées, du cycle La phénoménologie de vie, qui a commencé l'année dernière par trois journées, l'une sur Michel Henry, l'autre sur Bernard Conti. Et la troisième sur Yann Kokoschka, et qui s'est poursuivie cette année par trois journées, l'une sur Husserl, l'autre sur Jonas. La troisième, c'est aujourd'hui sur Lévinas, c'est la quatrième, le 20 mai, dans 15 jours exactement, sur Derrida. Notre projet était à un moment où la phénoménologie est remise radicalement en cause par différentes voies, d'interroger à la fois les apports et les limites de la phénoménologie sur un thème qui est au centre de la phénoménologie et en même temps extérieur à elle, à savoir la question de la vie. Et donc la question de la vie nous était apparue comme justement l'un des points qui nous permettrait de comprendre, d'analyser, de mettre en évidence ce qui est la positivité de la phénoménologie, en même temps là où elle atteint sa limite, elle peut être et elle est remise en cause. Je signale à tout hasard nous ferons traiter de cette question des remises en cause de la phénoménologie, nous ferons le 13 et le 14 octobre prochain un colloque sur réel, réalité, réalisme. C'est-à-dire sur les différents courants qui se disent réalistes et qui, comme tels, se présentent comme de différentes manières, hein, différentes perspectives,
opposée à la phénoménologie. Et donc, voilà l'idée générale de Séroé. Et nous avons, je dois dire, je suis très content de ce qui a été fait jusqu'à présent, dans la mesure où c'est exactement à cela, à la question que je posais tout à l'heure, qu'ont répondu les différentes contributions que nous avons eues depuis l'année dernière. Donc, aujourd'hui, il s'agit de Lévinas. Alors, la question est là, double question. Jusqu'où Lévinas est-il phénoménologue? Jusqu'où est-il phénoménologue? Le dépassement de l'horizon phénoménologique est interne à la pensée de Lévinas. La réouverture de la dimension métaphysique de sa pensée indique justement un au-delà du phénomène, mais la question est de savoir quel rapport, ce qu'il reste de la phénoménologie dans cette ouverture au-delà d'elle. La question centrale, évidemment, chez Lévinas, plus que chez tout autre penseur lié à l'histoire de la phénoménologie, c'est la question éthique. La manière dont la question éthique prend place au centre de sa pensée, non pas comme une dimension complémentaire, nécessaire et seconde, mais au contraire comme une dimension absolument première, d'où le texte de Lévinas sur l'éthique comme philosophie première. Alors la question qui se pose là, c'est que cette dimension éthique est certaine, elle remet en cause la clôture de l'être sur lui-même et le discours sur l'être, elle ouvre, elle exige d'ouvrir une autre dimension du discours qui sort de l'enfermement dans la question de l'être et aussi dans la question du faire. Là, le problème ici, me semble-t-il, on verra si ça sera confirmé ou pas, c'est précisément la question de la vie. Non pas que du tout que Lévinas n'en parle pas, mais c'est une dimension qui, me semble-t-il, reste chez lui assez problématique, pour en faire ici l'objet d'une réflexion en part entière. Est-ce que la dimension au-delà de l'être que ouvre Lévinas permet une prise en charge, une reconsidération également de ce que c'est que le monde vivant, la place de l'homme dans le monde vivant? Où est-ce que le discours sur l'altérité, le caractère radical de cette altérité et sur la transcendance n'occulte pas le problème de la vie et notre enracinement nous-mêmes dans le monde de la vie? Donc, c'est l'une des voies d'interrogation que nous aurons, je pense, pour mesurer évidemment l'apport fondamental de Lévinas à la pensée contemporaine, mais en même temps, peut-être aussi, évidemment, ses limites là où il ne pouvait pas aller. Et donc, voilà, donc c'est la perspective générale, et je pense que les travaux que nous allons faire sur Lévinas sont de toute première importance dans la mesure où sa place dans la pensée contemporaine est tout à fait centrale. Je voudrais encore ajouter un mot, parce que je risque de l'oublier tout à l'heure. L'ensemble des travaux qui a été fait depuis l'année dernière sera publié sous la forme d'un volume, un seul volume, donc un gros volume, sous ce titre, là, comme la phénoménologie et la vie. Je pense qu'au début du premier semestre 2018, aux éditions Hermann. Donc, je vous dis tout de suite, parce que je risque de l'oublier tout à l'heure, je serai reconnaissant, autant que possible, de me remettre les textes en juin,
Si c'est des jeunes, ça sera d'autant mieux pour que le travail éditorial pour Romandie puisse commencer. Voilà, donc nous avons le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui, et je les en remercie vivement, Alain David, Jean-Michel Salansky, François... Ski. C'est pas grave, c'est l'étudiant. Salansky. Mon nom, tu le Cali, mon grand-père aussi. Pardon? Mon grand-père écrivait Cali. Cali. Et qui a joué de C'est juste pour faire lituanien au moment de la naissance de mon père. Vraiment, je suis vraiment un abri. La sienne, je peux dire. Mais ça change grand-chose. Bah, les tas de gens reconnaissent comme grec. Il y a même une personne qui n'a pas voulu s'inscrire en thèse avec moi parce qu'elle était turque et elle pensait qu'elle ne pouvait pas s'inscrire avec un grec. C'est dommage. Comme quoi un reste peut apporter tout ça. Moi, je sais même que celui de Lévinas, c'est chez Lévinas. Mais le problème, cher ami, le problème est le suivant, c'est que les étudiants, ou cet étudiant-là, ne sachant pas que le S ne se prononce pas, se dira de toute façon que ça s'appelle Salansky, c'est ça. Mais à la française, on doit dire Salansky. Le L en français, on n'est pas obligé de... Ah, pas du tout. Mars, on n'est pas Mars. Mars, il faudra faire comme... Alassie, Paris. Certes, mais je vous donne Mars, je vous donne des noms. Allez, on prend beaucoup d'autres. Yes. Donc... Paris. Donc, il ne faut pas faire comme ceux qui, allant à Venise, transforment la place San Marco, ça s'appelle Saint-Marc, en Saint-Marc, une sorte de tic français absolument incroyable, c'est Saint-Marc. Et puis quand on a un copain qui s'appelle Marc, on l'appelle pas Marc, c'est Marc. Enfin bon, tout ça, avec mon copain. Donc François-David Seba, j'espère que, cher ami, je ne... Il y a deux manières. Et la deuxième? Non, la deuxième, Seba ou Seba. Même si le double B en français, il fait comme sédant et selon. Non, écoutez, franchement, alors là, c'est ouvert en vacances. Bon, tu me permets quand même de prononcer ces bas. C'est parfait. Parfait, merci. Et puis, Gérard Bensoussan, il n'est pas là, qui ne pourrait pas en faire encore là. Oui, il veut qu'on dise Bensoussan et pas Bensoussan. Bensoussan, non. Bensoussan, parce que Bensoussan, c'est un autre nom avec OU. Avec OU, non pas. Bon, allez. Et l'essentiel étant ailleurs, nous n'allons pas nous étendre sur ce point. Nous allons entendre Alain David, que je remercie de d'être là, et qui est qui a été professeur de philosophie dans l'éducation nationale, et il a été également directeur de programme au Collège international de philosophie. Élève de Lévinas et de Derrida, il a écrit de nombreux articles, il a écrit un ouvrage Racisme, antisémitisme, essai de philosophie sur l'envers des concepts, avec une préface de Derrida, et il a dirigé avec Jean Grèche le colloque de Cerisy sur Michel-Ange. Donc, il a fait aussi des travaux sur les places, bien sûr, et sa place ici était tout à fait, donc tout à fait requise. Son titre, le titre de sa conférence est très paradoxal, on va voir ça va donner. L'immanence de l'immanence et EST, la transcendance de la transcendance. Je vous laisse le risque de ce titre qui est devenu fatal. Et je vous laisse la parole. Merci beaucoup, professeur Zarka. Merci de l'invitation, de l'honneur que vous avez fait d'être là dans ce lieu prestigieux. J'ai l'honneur de parler en premier, le risque de parler en premier, donc je m'autorise de cette position pour rappeler d'un mot la présence absente maintenant de Miguel Alassour, qui était avec nous au Collège international de philosophie et qui nous a quittés il y a quelques jours. Alors, l'immanence est la transcendance de la transcendance, ce titre proposé en guise de réponse hâtive et dans mon esprit provisoire
l'invitation de Charles Sarka me semble aujourd'hui, dans sa désinvolture rhétorique même, intéressant, et je me suis donc résolu à le garder. Il a déjà l'avantage, outre sa réversibilité, la transcendance et l'immanence de l'immanence, de faire signe vers Michel Henry, en même temps que vers Levinas, et donc en cela même de s'inscrire d'emblée dans le contexte d'un séminaire dont le thème général est la phénoménologie de la vie, dont le sujet particulier aujourd'hui est Levinas, en comprenant que les termes d'immanence et de transcendance engagent, selon la manière dont on les entend, une décision concernant justement le sort réservé à la question de l'être. Je propose le parcours suivant pour le présent exposé. D'abord, un retour sur le cadre phénoménologique de la problématique que je voudrais aborder afin de définir l'enjeu de la proximité entre Henry et Levinas. Ensuite, la question d'une entente radicale de la transcendance et par là d'une immanence également radicale chez Levinas comme instance de la vie sans le monde, sans la mort et sans l'être. Enfin, la question de l'animal telle qu'elle advient dans un texte extrême et apax, nom d'un chien de droit naturel, dont je cite d'ores et déjà comme une sorte d'apposition à mon titre, deux formules presque provocantes, le paradoxe d'une pure nature s'ouvrant sur des droits, une transcendance dans l'animal. Premièrement, donc, il y a à ma connaissance deux brefs passages dans lesquels Levinas se réfère à l'essence de la manifestation, l'un et l'autre dans « En découvrant l'existence avec une sorte d'éditeur », tous les deux sous forme de notes de bas de page. Le premier de 1965 dans « Énigmes et phénomènes » pour faire écho à la question suivante. Je cite « La transcendance, est-ce une pensée osant aller au-delà de l'être ou une approche au-delà de la pensée que le discours ose proférer et dont il garde la trace et la modalité ?» La note que je cite maintenant presque intégralement dit alors ceci. Cette approche se fait dans le sentiment dont la tonalité fondamentale est désir, au sens que nous avons donné à ce terme dans totalité infinie. Distinct de la tendance et du besoin, le désir n'appartient pas à l'activité mais constitue l'intentionnalité de l'affectif. On peut se demander si les critiques très remarquables et démystificatrices que Michel Henry élève contre l'intentionnalité de l'affectivité, qui malgré les analyses de Scheler et de Heidegger resteraient d'origine intellectuelle, arrivent à chasser tout mouvement de transcendance du sentiment. Il faut en effet préciser que cette transcendance consiste à aller au-delà de l'être, ce qui veut dire que ici, la visée vise ce qui se refuse à la corrélation que toute visée comme telle instaure, ce qui par conséquent n'est à aucun titre, pas même conceptuel, représenté, se fait représenter. Le sentiment primordial, dans son ambiguïté précisément, est ce désir de l'infini, relation avec l'absolu, qui ne se fait pas corrélatif et qui laisse, en un certain sens, le sujet dans l'immanence, n'est-ce pas l'immanence que Jean Valjean appela un jour la plus grande transcendance. Je ne t'en demande pas tout de suite, mais voilà donc qui est, en un sens, explicitement. La seconde note se trouve à la page 316 de En découvrant l'existence, dans le chapitre Langage et proximité, texte à Pax, non publié auparavant, non repris ensuite, mais annonçant autrement qu'être, et faisant ici à nouveau écho au mot transcendance. Je cite la question qui donne lieu à cette note, il faut se demander si toute transcendance ressort à l'intellect. Et face à cette question surgit ici également la référence à Michel Henry, qui se déclare à nouveau un accord paradoxal avec ce dernier. Nous entendons par intellect non seulement la fonction de la représentation théorique proprement dite, mais aussi toutes les autres formes de l'intentionnalité où se retrouve la structure kérigmatique noes-noem et qui demeure ouverte mais visée. Michel Henry conteste le caractère transcendant de la sensibilité qu'il serait dû à l'intentionnalité théorique qu'elle fonde, laquelle d'ailleurs à son tour s'enracinerait dans la manifestation de l'immanence. Nous sommes d'accord avec lui pour contester à la sensibilité la transcendance intentionnelle, mais nous ne limiterons pas la transcendance à l'intentionnalité en partant précisément de la notion de proximité. Alors, dans le site du texte, donc, Levinas prétend reconnaître en Michel Henry un allié, dans la mesure même où l'immanence telle qu'il la pense ne ferait pas objection à la transcendance, mais en conditionnerait au contraire et en exprimerait le sens. Quel sens ?
vient certes d'une citation à l'autre une évolution, la première mettant en exergue l'expression « approche de la pensée » dans un effort déjà pour échapper à ce que le langage de totalité et infini comportait de l'aveu de Levinas de trop ontologie. Une approche au-delà de la pensée, dit-il, par opposition à une pensée au-delà de l'être, alors que la seconde citation, sans plus recourir à la métaphore et au vouloir dire, met l'accent sur l'opposition entre intentionnalité et proximité. Mais dans les deux cas, Levinas fait fond sur la radicalité qui est celle de Michel Henry pour installer sa propre radicalité, celle qu'emporte avec elle le mot transcendance, et qui passe, tout comme l'œuvre de Michel Henry, par une explication avec la phénoménologie. Et cependant, cette explication avec la phénoménologie, cette Auseinandersetzung, c'est, j'en fais l'hypothèse d'enjeu majeur, contourne Heidegger. Ici, pour accompagner et conforter la portée de ces deux notes, un indice factuel, que je crois peu connu, peu mentionné en tout cas. Si Levinas a écrit sur Heidegger, s'il a pris de toute évidence ce dernier comme interlocuteur constant, voire comme adversaire essentiel par rapport à qui il a engagé toute son œuvre, et s'il ne manquait pas de s'y référer dans ses cours, il ne l'a pas mis cependant au programme de ses séminaires, dans ceux du moins que depuis 1973 j'avais eu la chance de pouvoir fréquenter, consacrant au contraire ceux-ci presque sans discontinuer à des œuvres de Husserl, à l'exception d'une partie de l'année 74-75, si je me souviens bien. Il avait traité du thème de la crise, après la crise pétrolière postérieure à la guerre du Kippour, où l'expression « la crise » rentra dans le vocabulaire commun, et là, en se référant au livre de Rudolf Böhm, paru fin 73, « Critique der Grundlagen des Zeitalters », lequel avait accueilli, Rudolf Böhm avait accueilli début 74, autre manquette dans sa collection Phénoménologica, et d'autre part également, une partie de l'année 76-77, qui fait donc exception dans les séminaires régulièrement consacrés au sort, l'année 76-77, où le séminaire se confronta au premier volume de l'essence de la manifestation. Mais avant même de poser cette question du rapport à Heidegger, sur quoi je vais revenir, il y a dans cette référence de Levinas à Michel Henry, là où Michel Henry ne se réfère pour ainsi dire pas à Levinas, un souci commun de récuser Hegel. Transcendance et immanence chez Hegel s'échangent en effet dialectiquement, le plus intérieur étant en même temps le plus extérieur. On pourrait d'ailleurs soutenir sans difficulté que toute l'essence de la manifestation représente une objection à la thèse centrale de la phénoménologie de l'esprit, selon la lecture qu'en fait Henri en tout cas, à savoir que pour Hegel, l'essence de l'essence est de se manifester, la manifestation résidant dans son caractère extatique. Quant à Levinas, selon une formule qui doit sans doute à l'image du pas en arrière de Heidegger, je cite, on ne sort du système qu'à reculons par la porte même par laquelle Hegel pense qu'on y entre. Mais comment? Qu'est-ce en l'occurrence que faire un pas en arrière? Car prétendre seulement récuser Hegel comporterait, selon Levinas, une irréductible naïveté, celle-là même que lui avait reproché Derrida en 1964 dans Violence et métaphysique. Reproche auquel sans doute Levinas est attentif quand il reprend donc, mais avec une humilité qui n'est pas chez Heidegger, l'image du pas en arrière, convenant ainsi du caractère inévitable de la langue hegelienne, accomplissement occidental du grec philosophique à quoi l'avait confronté Derrida. Cite Levinas, ce n'est pas au moyen des termes approximatifs de notre langue quotidienne, fût-elle universitaire, que l'on comprend celui qui permet de prêter seulement un sens valable à des termes. La conséquence est que d'autres moyens que des termes approximatifs sont à prendre, et pour Henri comme pour Levinas, ce sont nécessairement les moyens de la phénoménologie. Or, transcendance et immanence constituent justement dans le champ de la phénoménologie husserlienne un moment d'hésitation. Ce n'est pas le lieu ici de tenir la chronique de cette hésitation, et je n'y fais maintenant qu'une allusion en rappelant l'article de 1959 très riche et devenu classique de Rudolf Böhm, Les ambiguïtés des concepts husserliens d'immanence et de transcendance, où l'on voit Husserl passer d'une conception à l'autre de la transcendance et de l'immanence selon le sens qu'il donne à la réalité.
Est-ce que, à partir de l'intentionnalité, la réalité est transcendante? Oui, maintenant. Est-ce que ce qui est intentionnel et qui appartient à la sphère de la conscience doit, comme la conscience elle-même, être dit immanent et donc donné de façon absolue au titre de la réduction, relevant alors d'un concept plus large d'immanence? Rudolf Bernet, qui reprend dans la vie du sujet cette discussion, souligne que l'un des enjeux des hésitations husserliennes se découvre notamment à propos de l'étrange statut de l'intuition catégoriale qui met en évidence une excédence à même l'immanence conscientielle, ce que Heidegger va interpréter dans les termes d'une irréductible transcendance ontologique. Cette thèse d'une transcendance résiduelle comme transcendance de l'être est certes sous-jacente à l'article de 1959 de Lévinas, La ruine de la représentation. Par exemple, je cite, « Affirmer l'intentionnalité, c'est apercevoir la pensée comme liée à l'implicite où elle ne tombe pas accidentellement, mais où par essence elle se tient. » Par là, la pensée n'est plus ni pure présent, ni pure représentation. Cette découverte de l'implicite, qui n'est pas une simple déficience ou chute de l'explicite, apparaît comme monstruosité, comme merveille, dans une histoire, des idées où le concept d'actualité coïncidait avec l'état de veille absolue, avec la lucidité de l'intellect. Que cette pensée se trouve tributaire d'une vie anonyme et obscure, de paysages oubliés qu'il faut restituer à l'objet même que la conscience croit pleinement tenir, voilà qui rejoint incontestablement les conceptions modernes de l'inconscient et des profondeurs. Mais il en résulte non pas une nouvelle psychologie seulement, une nouvelle ontologie commence. L'être se pose non pas seulement comme corrélat d'une pensée, mais comme fondant déjà la pensée même qui cependant le constitue. Fin de citation. La transcendance est donc ici celle de l'être. Néanmoins, cela même est relevé en un style par des connotations en direction de la littérature qui me semble déjà différer profondément de ce qu'on trouve chez Heidegger. Sans insister, j'en veux cependant pour indice la manière dont Lévinas avait traduit dès 1931 les méditations cartésiennes, traduction faite à la suggestion de Coiré, mais que Husserl n'avait, semble-t-il, pas beaucoup appréciée. Alors même que sa lecture de Husserl était déjà très influencée par Heidegger, traduction dont il cite 30 ans plus tard, donc dans l'article de 59, encore certaines expressions remarquables en effet. Dépassement de l'intention dans l'intention, vous y faisiez allusion tout à l'heure, professeur Zarka, pour Über sich hinaus meinen, ce qui connotera chez lui d'autres expressions, un plus inscrit dans le moins, penser plus qu'on ne peut penser, l'otage, signifiant toute la dramaturgie du rapport à l'autre, toute la dramatique des phénomènes, pour reprendre la belle formule de Didier Franck. Ou encore, un plus qui s'étend au-delà, pour mit einem mehr vermeintes, traduction complètement improbable, qui me semble imposable à certaines pages de Proust, et donner en tout cas la règle de la phrase proustienne. De telles expressions visant en 1931 et en 1959 encore à faire apparaître dans la ligne de la thèse de 1930 la signification d'une transcendance ontologique ne sont pourtant dans leur facture nullement heideggerienne, ménageant effectivement la place du récit bien davantage que la solennité du poète. Michel Henry dénoue à sa manière, c'est-à-dire avec la délicatesse d'Alexandre, ce nœud gordien de la phénoménologie, contestant aussi bien l'engagement husserlien dans la voie de la conscience intentionnelle que l'ouverture du Dasein à l'être, qui à ses yeux ne fait que prolonger la signification de l'intentionnalité. Dans Phénoménologie matérielle, notamment, revenant sur l'hésitation husserlienne entre immanence et transcendance, il pose la nécessité d'une immanence illéthique, non intentionnelle, là où Husserl, dans les leçons sur la conscience intime du temps, n'évite pas de basculer dans la transcendance intentionnelle et par là de perdre la véritable source phénoménologique qui est l'impression. Son diagnostic, à Michel Henry, donc, l'impression n'a été préalablement réduite à son apparition extatique dans la temporalité immanente que parce que ce mode de présentation est le seul que la phénoménologie connaisse, en sorte que le recours à l'impression pour assurer l'ultime donation en tant que l'autodonation n'était concevable en réalité qu'au prix de cette insertion subreptice du pouvoir
pouvoir de monstration, l'intentionnalité dans la matière non intentionnelle. Bon. Deux. Quelle résonance cette élimination de l'intentionnalité temporelle a-t-elle chez Lévinas? Toute la question dont j'essaye de débattre est sans doute à ce niveau. L'analyse de Lévinas consiste, dans autrement qu'elle, en un exposé de la thèse husserlienne, exposé splendide, le rappel de la temporalité de la Hullet, de la structure intentionnelle de cette temporalité, mais également du caractère inéluctable de l'unimpression, en elle-même non intentionnelle. Je cite quelques lignes de Lévinas. La temporalité comporte un niveau qui, pour Husserl, est originel, une conscience qui n'est même pas intentionnelle dans le sens spécifique de la rétention. La bonne impression, l'impression originaire, la proto-impression, malgré le recouvrement parfait en elle du perçu et de la perception, qui devrait ne plus laisser passer la lumière, malgré leur stricte contemporanéité qui est la présence du présent, malgré la non-modification de ce non-modifié absolu, source originelle de tout être et de toute conscience ultérieure, c'est aujourd'hui, sans l'endemain, ni guère. L'unimpression arrive donc en quelque sorte comme un miracle, c'est encore source originaire qui n'est pas elle-même produite, qui n'est pas genesis spontanea, commentaire qui n'est pas dans Husserl, qui évoquerait plutôt un moment bergsonien, ou encore ce que note le narrateur proustien à propos de la Madeleine, un temps irréductible à la continuité temporelle, un plaisir délicieux m'avait envahi, isolé, sans la notion de sa cause, c'est le passage de la Madeleine. De telles expressions sont remarquables et qualifient, selon moi, quelque chose de la voie lévinasienne. Mais néanmoins, lourde impression, je cite encore Lévinas, ne s'imprime pourtant pas sans conscience. La difficulté, le paradoxe relevé par Michel Henry sont donc ici entiers. Et semblant retrouver le trajet qui était le sien dans les années fribourgeoises, Lévinas propose quelques alinéas plus loin une issue expressément heideggerienne. Je cite, la modification temporelle n'est ni un événement, ni l'action, ni l'effet d'une cause, elle est le verbe être. Il suit expressément heideggerienne, donc, qui semble encore recevoir sa confirmation de sous-chapitre plus loin, lorsque Lévinas en vient à ce qu'il désigne comme l'amphibologie de l'être et de l'étant. Étrange reprise de Heidegger, déjà parce que le nom de Heidegger dans tout ce développement n'est pas cité, si ce n'est dans la précaution d'une note elle-même insolite et dont il faut peser chaque mot. Ces lignes, je cite donc cette note, ces lignes et celles qui les suivent doivent beaucoup à Heidegger. Déformée et mal compris, du moins cette déformation n'aura-t-elle pas été une façon de renier la dette, ni cette dette une raison d'oublier. D'autre part, ce qui aura pu être désigné selon le plus classique vocabulaire heideggerien comme différence entre ontologique s'inscrit ici dans un climat tout autre, l'amphibologie, comme chez Kant, l'amphibologie, l'amphibolie, des concepts de la réflexion, laquelle, distinguant entre la connaissance et la pensée, qualifie notamment le rien, ainsi que le souligne un très profond article de Granel sur le nihil privativum, c'est-à-dire réservant également la signification de la littérature, ens imaginarium. Engagement discrètement littéraire qu'il me semble encore trouver lorsque Lévinas convient à rappeler la temporalisation du temps à l'œuvre dans la tautologie. Je cite, déjà la prédication tautologique où l'étant est à la fois sujet et prédicat A et A ne signifie pas seulement l'inhérence de A à lui-même ou le fait que A possède tous les caractères de A. A et A s'entend aussi comme le son des hommes ou comme le rouge bourgeois. A et A se laisse entendre comme A à voix. Rouge bourgeois. A avoir, façon sans doute inattendue de rendre par exemple la stimding, la verbalité de l'être, son sens actif. Mais le passage par la sonorité oua, Gabriel Marcel dans la dimension florestan avait proposé avec moins de bonheur à mon avis la pomme-pomme, engage tout
tout un registre où se cale la différence de la langue française et de sa littérature, les contes de la merloire, la route qui poudroie et l'herbe qui verdoie. Une autre expression de la tautologie est proposée encore par Lévinas dans le texte de 1973 sur Derrida. François Sébat avait commenté de sa manière. En première réponse à violence et métaphysique, la seconde étant en fin de compte autrement qu'elle. Je revois toujours en le lisant l'exode de 1940. L'unité militaire en retraite arrive dans une localité qui ne se doute encore de rien, où les cafés sont ouverts, où les dames sont aux nouveautés pour dames, où les coiffeurs coiffent, les boulangers blanchent, les vicomtes rencontrent d'autres vicomtes et se racontent des histoires de vicomtes, et où tout est déconstruit et désolé une heure après. Les maisons fermées ou laissées portes ouvertes se vident des habitants qu'entraînent un courant de voitures et de piétons à travers les rues restituées à leur profond jadis de route tracée dans un passé immémorial par les grandes migrations. Que se passe-t-il lorsque la tautologie essentielle se voit ainsi déplacée vers Maurice Chevalier ou Mireille, désacralisée et ramenée à la gouaille de la chanson française, mais ouverte néanmoins par la même, immédiatement à la gravité de l'impossible historique sur l'exode, et je ferai tout à l'heure allusion à d'autres exodes. Manière singulière, quoi qu'il en soit, de faire droit dans le geste même de la reconnaissance de la dette à un registre de la transcendance qui n'est pas celui de la transcendance de l'être. Cette manière de répéter Heidegger différemment, en laissant pressentir, au moment même où se reconnaît la dette, ce qui, ne rentrant pas dans la mémoire, ne saurait cependant être oublié, le mot immémorial prononcé dans le texte que je viens de citer, relève de cette flexion dont parle encore Lévinas, au moment où, dans l'humanisme de l'autre homme, en 1972, où ces textes entre totalité et infini et autrement qu'elles sont très rapprochés dans le temps, il évoque, à propos de Heidegger, une accentuation du grec philosophique. Les écritures saintes, lues et commentées en Occident, ont-elles incliné l'écriture grecque des philosophes ou ne se sont-elles mis à être thératologiquement philosophées et déchiffrées dans un palimpseste une écriture enfin? N'est-ce pas à une telle accentuation qu'il faut être sensible en lisant ces pages de totalité infinie, si heideggerienne en apparence dans leur thème, sur la demeure, l'habitation, l'ustensile? Cependant, l'orthodoxie heideggerienne en privilégie souvent la lecture en pensant y voir la reconnaissance d'un commencement heideggerien, l'enracinement dans l'être avec quoi Lévinas aurait eu tort de croire rompre. Alors même que, d'emblée, Lévinas avait prévenu un contresens, je cite, nous n'allons pas fonder la relation avec les temps sur l'être au monde, sur le souci et le faire du Dasein heideggerien, page 81 dans l'édition Phénoménologica. De totalité infinie. Il n'y a donc pas question dans ces pages de totalité infinie du Dasein. Le moi n'est pas au monde, mais retranché de lui, mais non ouvert à l'être. Il est pour soi, comme est pour soi votre famille qui n'a pas d'oreille, capable de tuer pour une bouchée de pain. Cette immanence signifie-t-elle être dans le monde? Oui et non, et surtout non. Je suis moi-même, je suis ici, chez moi, habitation, immanence au monde, mais. Je cite encore, la position absolument sans transcendance ne ressemble pas à la compréhension du monde par le Da heideggerien. Pas souci d'être, ni relation avec les temps, pas même négation du monde, mais son accessibilité dans la jouissance. Immanence au monde, au sens cependant d'un en deçà. On se souvient de ces expressions saisissantes concernant la demeure, la possession, l'économie, attestant d'un ego en deçà tout entier dans son cœur, dans sa jouissance. La jouissance, je cite, la jouissance est un retrait en soi, une involution. Son bonheur, et ainsi donc, a une immanence plus immanente que ce qu'exprimerait la Jemeinigkeit d'un là constitué en soi et étant soi, de par son exposition à sa mort. La transcendance que pense Lévinas est au prix de ce retrait, lequel est donc effectivement l'autre face de la transcendance. Je cite, on comprend que l'oubli de l'infini qui exige la séparation
l'exige jusqu'à l'athéisme, assez profondément pour que l'oubli de l'infini puisse s'oublier. L'oubli de la transcendance ne se produit pas comme un accident dans un être séparé. La possibilité de cet oubli est nécessaire à la séparation. De ce fait, le corps engage, selon son immanence, une radicalité où Lévinas décèle un registre qui échappe à Heidegger. Le Dasein n'a jamais faim. La signification de l'économie et même la vérité du marxisme procédant tout entière de la droiture du besoin, Monsieur Gaster, premier maître S.A.R. du monde. Analyse du marxisme qui ne le développe pas, ou allusivement et rarement, l'exception remarquable de l'article de 1976 sur Ernst Bloch, sur la mort chez Ernst Bloch, article exactement contemporain du séminaire sur l'essence de la manifestation, et également de la parution la même année du Marx de Michel Henry, dont à bien des égards il est proche. Je cite cet article. Donc la praxis, c'est cela, le travail comme condition transcendantale de la donnée sensible. Un peu plus loin, travail qui n'est pas un souci de soi-même dans la manipulation des choses ustensiles, zurandenes, côtoyant l'aliénation de soi dans les techniques. Un peu plus loin encore, l'appareil de la sensation suppose du travail qu'aucune image ne précède. Ces citations arrachées au texte mettent, comme on le voit par ailleurs dans le Marx de Michel Henry, en évidence la rupture avec Hegel et Heidegger, c'est dire que le travail, indice de l'immanence du sujet, n'engage pas paradoxalement dans un monde. L'immanence est la contrepartie d'une transcendance qui n'est ni celle du monde ni celle de l'être. Cette situation est explicite dans le commentaire que Lévinas donne du marxisme de Bloch, où il met à jour ce qu'il appelle la mystique de l'immanence posée dans le principe espérance. Mystique, car décrétant un sujet pour lequel la mort n'est plus la question, pour lequel être ou ne pas être, comme le dit fréquemment Lévinas, n'est plus la question. Je cite, ce n'est pas la mort qui, chez Bloch, ouvre l'avenir authentique, et c'est par rapport à l'avenir de l'utopie que la mort elle-même doit être comprise. Et un peu plus loin, le sens ultime de la subjectivité serait donc entièrement extatique, non pas par l'intentionnalité prenant conscience de l'être, mais par la praxis qui le produit et par laquelle le sujet est tout entier œuvre. 3. Cette subjectivité sans la mort, cette utopie selon le langage de Bloch, justifie par ailleurs le terme d'incondition qu'utilise parfois Lévinas, incondition à opposer ou à apposer à la condition humaine, l'incondition d'otage, l'incondition qui est celle également de la condition juive telle que la désigne le chapitre intitulé « Sans nom » qui conclut « Nom propre ». L'incondition d'une humanité postmoderne et sans identité dans la dernière section de l'humanisme de l'autre homme. Incondition que je voudrais rapporter maintenant pour terminer cette conférence à la question de l'animal, c'est-à-dire, selon ce qu'on avait dit à Heidegger, d'une vie en deçà du monde et sans la mort. L'animal est pauvre en monde et l'animal ne meurt pas. Or, n'est-ce pas cette situation que, par ailleurs, dans les conférences de Brême de 1952, ce dernier, Heidegger, avait laissé entrevoir en évoquant la situation de l'homme des camps, privé de sa mort. Je rappelle ces lignes désormais célèbres, saisissantes et évidemment problématiques. Je cite en allemand d'abord, Hunderttausende sterben in Massen, sterben sie, sie kommen, sie werden ungelebt. Sterben sie, sie werden Bestandstücke eines Bestandes der Fabrikation von Leichen. Sterben sie, sie werden in Vernichtungslagern unauffällig liquidiert und auch ohne solches Millionen verfehlen, die jetzt in China durch den Hunger hineinfallen. Die Centaines de milliers meurent en masse, meurent-ils, ils périssent, ils sont tués, meurent-ils, ils deviennent des éléments d'un stock dans les réserves d'une usine à cadavres, meurent-ils, ils sont discrètement liquidés dans les camps d'extermination, et même sans cela, des millions sont aujourd'hui en Chine plongés dans la misère et voués à mourir de faim. On a tout dit de ces lignes que Blacky Labarthe, par exemple, déclarait scandaleusement insuffisantes. Je n'en rajouterai pas ici. Mais il faut, me semble-t-il, de reconnaître au moins le mérite de mettre en évidence la nécessité d'une extension du domaine de la lutte,
d'avoir à chercher l'humanité, là même où celle-ci n'est plus basale, là où elle est privée de sa mort et du monde. J'en viens donc à ce texte de Lévinas, selon moi, je vais tenter de produire des raisons, le plus audacieux, le plus inattendu et peut-être l'un des très importants qu'il ait écrit, Nom d'un chien, le droit naturel. Il paraît d'abord en 1975, un an après votre enquête, la même année que du Sacré au Saint, un an avant mon propre, dans un collectif consacré à Bram van Veld, sous le titre « Celui qui ne peut se servir des mots ». Puis il est repris très vite un an après, dans la seconde édition de « Difficile liberté ». Je trouve que Lévinas lui a accordé beaucoup d'importance quand même. Le texte est composé de la manière suivante. Je me rappelle d'un verset tiré d'Exode 22-31, « Je ne mangerai point de chair d'un animal déchiré dans les champs, vous l'abandonnerez au chien. » Et l'occasion se rappelle, l'occasion d'un singulier exercice rhétorique, à l'occasion duquel Lévinas décline toutes les occurrences faisant intervenir dans la langue le chien. Le chien dit comme l'être, et donc Podakos Legomenon dit en plusieurs sens. Pourtant, à l'évidence, chien dit tout autre chose que l'être. Le chien, métaphorique, toujours du pronom pour figurer le nom d'un chien, Lévinas, est renvoyé à un énigmatique nom propre. Je pense à Bobby, dit-il. Lequel, placé dans la lumière du verset et non plus dans la lumière solennelle de l'histoire de l'être, devient, je cite, au terme d'une vénérable herméneutique plus ancienne de La Fontaine, herméneutique des docteurs talmudiques, c'est-à-dire herméneutique renonçant aux métaphores, il devient donc le chien proprement dit. Au verset 31, je cite, au verset 31 du chapitre 22 de l'Exode, le chien serait un chien, littéralement un chien, en deçà des scrupules, en vertu de sa nature heureuse et de ses droits de pensée de chien, il fera bonne chair de toute cette chair trouvée au champ, et ce festin, c'est son droit. La haute herméneutique, si attachée au mot à mot, se permet cependant d'expliquer le paradoxe d'une pure nature s'ouvrant sur des mots. Transcendance, donc ouverte dans l'immanence de cette pure nature, aussi immédiate et droite que la droiture du besoin. Mais comment est-ce possible? Quelle est alors la clé de ce paradoxe, une pure nature s'ouvrant sur des droits? Voici la réponse, il faut là encore la lumière d'un verset, je cite. Au septième verset du chapitre 11, d'étranges chiens sont frappés de stupeur ou de lumière en pleine nuit, l'une à voir ou pas. Autour, pourtant, un monde s'achève, les esclaves qui servaient les esclaves de l'État suivront désormais la voie la plus haute, la plus libre voie, figure de l'humanité. La liberté de l'homme est celle d'un affranchi se souvenant de sa servitude et solidaire de tous les asservis. Une tourbe d'esclaves célébrera ce haut mystère de l'homme et pas un chien n'avoira. À l'heure suprême de son instauration et sans éthique et sans logos, le chien va attester de la liberté de la personne, l'ami de l'homme, c'est cela, une transcendance dans l'animal. Ce septième verset ouvre donc sur une scène dont la dramaturgie est celle de l'Exode et par la même est dite figure de l'humanité, des esclaves libérés, des hommes dont la liberté même n'est pas naturelle, mais faite du souvenir de leur servitude, et surtout ces témoins silencieux, les chiens qui n'aboient pas, témoins muets, et en deçà du logos, transcendance dans l'animal, expression qui répète ou déplace ou traduit, renouvelle en tout cas en lui donnant un singulier élan, les traductions insolites extraordinaires de Lévinas, l'expression husserlienne de transcendance dans l'immanence. Soit. Mais à nouveau, comment entendre phénoménologiquement, si cela se peut, cette scène? Certes, pas du fait qu'elle est tirée d'un texte sacré. Le verset biblique n'a pas pour fonction de faire preuve, dit Lévinas. Dont les lectures talmudiques, d'ailleurs, se confrontant en discussion d'une liberté sans limite des rabbins, ne se réclament jamais de l'autorité de la Bible. Mais d'un verset à l'autre, c'est le mot « chien » qui est sollicité, en deçà de toute tentation de métaphore, c'est-à-dire s'arrachant à la transcendance de l'être, le mot pris à la lettre, comme l'est le tétragramme, le chien à la lettre, sans logos et seulement à ce titre « ami de l'homme ». Parce que l'amitié est cette situation muette de laquelle Montaigne, par exemple, ne peut dresser ce constat célèbre. Si l'on me presse de dire pourquoi je l'aimais, je sens que ce ne se peut exprimer qu'en répondant parce que c'était lui, parce que c'était moi. Phrase éminemment équivoque, signifiant que l'ami se ramène à moi, ou au contraire,
que le moi n'est soit en devenant étranger à lui-même, à ce compte que sous cette règle de l'étrangeté, y a-t-il même des amis? Comment pourrait-on le prétendre, vu la sentence devenue célèbre depuis Derrida? Les salue, moi, je cite Montaigne à nouveau, les salue à l'égard des amitiés ordinaires et coutumières, à l'égard desquelles il faut employer le mot qu'Aristote avait très familier, ô mes amis, il n'y a nul ami. Formulation paradoxale de l'amitié, sanctionnant l'étrangeté radicale de l'ami, radicale au point de sortir l'ami de l'espèce, l'amitié du chien. La mise en scène initiée par les versets d'Exode renvoie à une autre scène, plus intime et personnelle, un récit autobiographique, Lévinas, dans un camp de prisonniers. Nous étions, je cite, nous étions 70 dans un commando forestier pour prisonniers de guerre israélites en Allemagne, nazis. Le camp portait, coïncidence singulière, le numéro 1492, Mélisine de l'expulsion des Juifs d'Espagne sous Ferdinand V le catholique. L'uniforme français lui protégeait encore contre la violence hitlérienne. Voilà le cadre. Et dans ce cadre, un chien qui appartenait sans doute à l'un des gardiens va pendant quelques semaines accompagner le commando en aboyant gaiement, leur rendant ainsi leur statut d'homme. Si je puis ici apporter mon témoignage, j'avais lu ce texte dans l'admiration éperdue où j'étais pour Lévinas à sa parution comme une histoire autobiographique émouvante écrite dans le style admirable qui est le sien mais sans portée philosophique. Et du reste, par ailleurs, les allusions qui lui sont faites dans la littérature lévinassienne ne semblent le plus souvent pas lui accorder davantage que cette dimension autobiographique et cet attendrissement. Et pourtant, les indices sont là qui pourraient mettre la puce à l'oreille. Le fait déjà que, comme je l'ai souligné, il passe immédiatement de son statut d'article collectif à celui d'élément d'un livre aux yeux de Lévinas essentiel dans l'économie de son œuvre. Mais surtout, sa composition littéraire qui n'abandonne rien au hasard de la seule biographie. Le hasard. Et peut-être déjà celui des chiffres, 1492, 70. Mais en l'occurrence, au hasard se superpose une nécessité, comme c'est toujours le cas dans un récit, ou comme l'a maintes fois souligné dans Chaud, la contingence affichée est l'envers d'un ordre rigoureux et illimité. 1492, l'expulsion des Juifs d'Espagne, le signal d'un des grands exodes, qui répète celui mis en exergue dans les versets introductifs du texte, qui répète encore celui de 1940, auquel Lévinas se réfère pour parler de l'œuvre de Derrida, œuvre dessinant à ses yeux, pour la modernité, une ligne de partage aussi décisive que celle tracée par Kant. J'ajoute, pour rester un instant sur cette ligne où l'anecdote se double de nécessité, que Derrida, dans une conversation, n'avait pas admis cette référence à l'exode. Il me compare à la Wehrmacht, m'avait-il dit. Sachant pourtant l'admiration sans réserve de Lévinas pour Derrida, j'y vois au contraire un extraordinaire hommage, la désignation de ce qui est nommé ici dans le texte, une figure de l'humanité. L'humanité apparaissant selon sa signification ultime dans la situation de l'exode. 70. Là encore, à la contingence de ce chiffre, se superpose un registre d'un tout autre ordre, celui des 70, transcrivant en grec le texte saint. En l'occurrence, les 70 du commando ne sont pas par eux-mêmes les 70 sages dévolus à la transcription, ils sont comme tels les effets de la barbarie à laquelle ils sont livrés et dans la langue de cette barbarie sans humanité. Nous n'étions qu'une quasi-humanité. Une bande de singes, nous n'étions plus au monde, être enfermés dans leur espèce, malgré tout leur vocabulaire, être sans langage. Les êtres parlants ne parlent donc plus par eux-mêmes, il faut pour les faire accéder à leur humanité la médiation du chien, l'être et son langage. Mais pourquoi en est-il ainsi? Pourquoi, comment cette médiation du chien, si vos médiations est bon, Lévinas, dans une de ses leçons, telle nous dit, montre les rabbins se demandant s'il faut traduire en grec et à quelles conditions le texte grec conserve la sainteté de l'original. La réponse est qu'il faut approcher le texte avec des gants parce qu'il salit les mains. Autrement dit, il ne faut pas imaginer un texte original. Il faut, pour conserver sa sainteté, tout l'appareil des traductions, des glosses, des critiques. La traduction est la condition de la sainteté.
Mais inversement, l'universalité du grec ne suffit pas. Il y a de l'intraduisible. On ne saurait, je cite, on ne saurait traduire la langue du persécuté dans celle du persécuteur, est-il précisé à propos du livre d'Esther. Autrement dit, à l'universel de la traduction en grec, il est nécessaire d'ajouter un élément d'opacité. L'universel doit s'inquiéter de ce qui, dans son élément, ne reçoit aucune place. Référence parallèle, si vous voulez, si on veut, n'entendez-vous pas, demande le Lens de Büchner, cette voix effroyable qui retentit sur tout l'horizon et qu'on appelle ordinairement le silence. Les 70 du commando attestent dans ce logos qui n'est plus langage, dans la transcendance même de l'être, de cette opacité, de cette proximité de l'hétérogène, de l'hétérologique, sans quoi il n'est ni langage, ni humanité. Autrement dit encore, sans cette instance d'opacité, la langue fut-elle la plus bavarde ou la plus solennelle, parlerait-elle véritablement? Le Dasein qui convient à l'humanité et non à l'animal, Derrida a dit des choses essentielles à cet égard, ne s'enfermerait-il pas dans un mutisme inaperçu? Je pense plus particulièrement au discours de Brême de Ceylan, cette fois-ci, et dans le poème Totenauberg, à l'explication difficile, infinie, de Ceylan avec Heidegger, dont on rencontre la poésie comme expérience de la vie là-bas. Je voudrais encore souligner, au moment de conclure cette traversée du texte extravagant de Levinas, l'emploi discret mais constant d'un langage résolument phénoménologique, inscrivant ce fragment autobiographique non seulement dans la continuité de l'œuvre, mais menant cette dernière jusqu'à l'extrême, conférant par son détour un sens extraordinaire, par exemple, à la question de l'antéprédicatif et aux motifs les plus constants de la phénoménologie. Ainsi, tout cela se passait, entre parenthèses, derrière les barreaux des guillemets. Nous n'étions plus au monde. Ou encore cette sentence qui offre à méditer sans fin, de manière inédite, en tout cas de suspendre la thèse naturelle, le racisme n'est pas un concept biologique, l'antisémitisme est l'archétype de tout internement, l'oppression sociale elle-même ne fait qu'une disque. Pourtant, le chien a-t-il un visage? Qui est-il? Qui est donc ce chien de la fin du verset? La réponse dans le récit est d'abord celle-ci. Nous l'appelions Bobby, comme il convient à un chien chéri. Il apparaissait au rassemblement matinaux, sautillant et aboyant gaiement. Pour lui, c'était incontestable, le fume des hommes. Image attendrissante, sans doute. Il me semble pourtant que ce serait une erreur de l'abandonner au registre de la sensiblerie émue, voire de l'insignifiance mièvre. Elle répond à l'expérience immédiate et vraie que l'enfant même a de l'animal familier, une faiblesse absolue, sollicitant sans limite notre responsabilité, une expérience pure et immédiate en cela de l'altérité. Dans un entretien ultérieur à ce texte avec des étudiants anglais, la question est adressée sans embâche à Levinas. C'est la question des étudiants anglais. Selon votre analyse, le commandement du tu ne tueras pas est révélé par le visage. Mais est-ce que ce commandement n'est pas exprimé également par le visage de l'animal? Est-ce qu'un animal peut être considéré comme l'autre qui doit être accueilli? Ou bien faut-il posséder la capacité du langage pour être un visage en un sens éthique? Après quelques hésitations, quelques propositions déconcertantes, je ne sais si un serpent a un visage, un chien est comme un qui ne mordrait pas, on aime souvent les enfants pour leur animalité, l'enfant n'a aucune méfiance, il saute, il marche, il court, il mord, c'est charmant. Levinas répond sur le fond. La thèse très répandue que l'éthique est du biologique revient à dire qu'en fin de compte, l'humain est le dernier stade de l'évolution de l'animal. Je dirais au contraire que dans la relation à l'animal, l'humain est un nouveau phénomène. L'humain, nouveau phénomène du fait de sa relation à l'animal, du fait de sa relation à l'animal, non de sa relation à l'être. La voie la plus haute, la plus libre voie, c'est-à-dire, selon le trajet de l'œuvre de Levinas, la voie de la réduction, ne serait pas celle de l'être. L'être, alors modalité, il faut aller jusque-là, d'un ultime refuge du naturalisme. En un mot un peu acrobatique, l'aboiement de l'art nécessite le supplément de l'aboiement du chien. Je ne puis croire tout à fait que la proximité des expressions, les proximités dans le temps également, de 74 à 75, soit simplement contingent et anodine, pas davantage que tous les éléments de ce texte infiniment retors et écrit. Une dernière phrase alors, en forme
d'énigme sublime à laquelle le texte nous abandonne et qui configure, superposée à l'image de Bobby, offerte à la sensibilité et organisant le récit, le visage philosophique de l'opérateur muet de la réduction. Dernier qu'ancien de l'Allemagne nazie. N'ayant pas le cerveau qu'il faut pour universaliser la maxime de ses fonctions, il descendait des chiens d'Égypte. Et son aboiement d'ami, foi d'animal, naquit dans le silence de ses aïeux débordés. La coïncidence de l'immanence et de la transcendance reçoit dans cette ultime phrase toute sa signification. Elle renvoie à une intertextualité, support de la réduction, immanente et transcendante à l'histoire. Elle répond à cette autre phrase que Lévinas se plaisait à répéter, « Plus intime que l'intimité, moi je dis, c'est un livre. » Je vous remercie. Merci beaucoup, David, pour cet exposé. Je dois dire que la perplexité de la formulation du sujet n'est que plus grande maintenant que je vous ai entendu. Je suis de plus en plus perplexe. Je me demande si dans cette formulation même, et à travers d'ailleurs ce que vous avez dit, vous n'avez pas annulé tout simplement l'apport propre de des menaces. Si, d'une certaine manière, entre les références à Heidegger, auxquelles vous rabattez sur les menaces, et ce qui est, à certains égards, tout à fait compréhensible, mais ce qui fait les menaces, ce qui fait de les menaces, c'est précisément cette sortie de l'immanence, cette sortie de l'immanence qui est largement identique à l'empire de l'être. Donc comment moi je suis tout à fait perplexe, il y a des choses dans votre propos qui m'ont certainement échappé, mais je n'ai pas vu le moment, le concept qui nous permet de penser le l'usage du verbe être comme copule, EST. Et non pas, dans votre sujet, considérer peut-être que c'est une faute d'orthographe, et non pas comme EET, comme conjonction de coordination. Je ne vois pas quel est le concept qui vous permet d'afficher cette identité de l'immanence et de la transcendance et de la transcendance. Je continue sur un point. Je ne connais pas le texte Le nom d'un chien ou le roi actuel. Je viens de précipiter. C'est 4 pages dans le civilisateur. Mais ce que vous en avez dit me stupéfie. Il faudrait qu'on prenne pas ce que vous avez dit. À la question, le chien a-t-il un visage? A-t-il répondu? Cet entretien postérieur, je ne sais plus de quand date, je crois que la référence, il n'est pas très connu, il est postérieur, il est avec des étudiants anglais, il est... il a répondu de façon assez dilatoire, il a dit, est-ce qu'un serpent a un visage, je ne sais pas, hein, c'est le passage que je cite. Il ne s'est pas prononcé directement en répondant à la question de ses étudiants. En revanche, dans le texte Le nom d'un chien ou le droit naturel, c'est une de mes propos qui répond très, très fortement. Oui, bien sûr. Alors, pourquoi le chien aurait un visage? Parce que le visage, parce que la situation où Heidegger place l'animal, c'est-à-dire sans monde, pauvre en monde, et pas ouvert à la mort. C'est exactement la situation où Lévinas va chercher la subjectivité du sujet. C'est tout mon propos en superposant la tête de Michel Henry. Je ne comprends plus rien. Je ne comprends plus rien. Donc, le chien a-t-il un visage ou non? Donc, on a dit que la question s'est posée au serpent. Non, c'est une blague. Dans la réponse aux Anglais, non, parce que c'est une blague. Visiblement, c'est une manière humoristique de répondre. Ce que j'ai pu retenir de ce texte,
de cette interlocution avec les Anglais, ce que je veux retenir, c'est que l'humanité de l'homme ne se dit pas dans les termes biologiques et ne se dit pas non plus dans les termes de l'être. De sorte que ça resitue toute la problématique qui s'ouvre. J'ai dit que, à mes yeux, c'est un texte extrême, parce que jamais il a été si loin. Toute la problématique qui s'ouvre dans Mon Nation et le droit naturel, où il parle d'une transcendance ouverte dans l'animal, il parle d'une pure nature souvent sur des droits. Tout ça met de côté tout le langage reçu à partir de Heidegger. D'une pure nature ouvrant sur des droits. Oui. Donc l'affirmation très justement dite, je suppose que c'était des étudiants anglais, tu ne tueras point, ce concerne aussi l'animal. Ben, bien sûr. Bien sûr. Ah bon? Bien sûr, mais bon, si vous voulez, je vais prendre un texte parallèle de quelqu'un qui a beaucoup lu Lévinas, qui est Isabelle de Fontenay. Vous vous rappelez peut-être, vous connaissez peut-être son gros livre Le silence des bêtes. La première page est tout entière, la page introductive est tout entière articulée dans ce parallèle où elle fait de la question de l'animal une façon, une extension, j'ai utilisé l'expression, une extension du domaine de la lutte, une façon d'entendre la question de l'humanité beaucoup plus loin, qui va beaucoup plus loin que ce qu'on fait habituellement quand on la rapporte à la situation globale de l'ontologie. C'est également toute la problématique d'Héridienne, vous avez parlé d'Hérida le 20 mai, toute la problématique d'Héridienne, me semble-t-il, lorsque Derrida reproche aussi bien à Lacan qu'à Lévinas, mais il ne tient pas compte de ce texte-là, en l'occurrence, ou il en tient pas compte, il leur reproche de penser la question de l'humanité, ou penser la question philosophique en la rapportant trop strictement à une situation anthropologique. Le Dasein lui-même est plus un mode de l'anthropologie. Mais si vous dites que l'animal a un visage, c'est là l'anthropologie. Non. Comment non? Mais non, parce que le visage, ce que vous dites là, si je vous comprends bien, signifierait que le visage est une modalité, est ultimement une modalité anthropologique. Le visage est l'instance de la transcendance. Le visage, c'est pas une forme, le visage n'est pas une forme, le visage n'est pas une nature. Le visage, c'est le registre par où s'échappe, par où se prononce la question de la transcendance, en tout cas dans, oui. Moi, dans Totalité Infinie. Bien, François Sebar. Juste pour intervenir dans votre discussion sur l'animal, de mon point de vue, et par rapport à ce qu'a dit Alain, on peut mobiliser d'ailleurs trois types de textes de Lévinas. Ce texte avec Bobby, le dernier cancien de l'Allemagne nazie et qui est un chien. Il y a l'entretien de fin de vie, disons, hein, mais c'était tard, je pense, quand même, cet entretien, où il y a cette ambiguïté de l'état, où on sent Lévinas pris à faire cette question qu'il n'a pas abordée lui-même de fond, la question de l'animal. Est-ce que c'est la contre qui peut sembler très naïve? Est-ce que le serpent, il dit, ben, je ne sais pas, le serpent envisage quand même non, un lion peut-être, on se dit, oui, ça va y bien. C'est bon, voilà, mais bon. Et il y a, c'est vrai, un texte au moins, mais parce que c'est ça qu'on va intervenir, c'est que souvent les notions, enfin, les cristallisations de sens qui sont visées par le même mot ne sont pas exactement les mêmes dans des contextes différents. Et il y a des textes. Non. Et c'est cela peut-être l'élément un peu manquant dans votre discussion, où il va nommer animalité l'altérité dans la conscience, le point d'animalité. Alors, ce qui fait que c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a certains textes où très clairement, l'animal c'est la figure, c'est un nom pour la figure, disons, comme ça, Diplomatus, c'est-à-dire l'être qui persévère dans son être et qui est accroché à sa persévérance dans son être. Donc, le contraire même, enfin, ce qui doit exposer pour qu'il est éthique. Et il y a des textes où l'animalité est le grain de folie dans l'âme, c'est-à-dire l'altérité à l'intérieur du même. Alors ensuite, qu'en est-il du rapport même à l'animal? Parce que là, finalement, c'est un usage notionnel de la notion d'animal.
Et je pense que la vraie question, là, de ce point de vue-là, je n'ai pas peur, mais c'est le nom, je crois, d'un problème, c'est qu'il est très clair que ce n'est pas parce qu'on est humain qu'on a un visage dans la destruction des masses. C'est parce qu'on a un visage qu'on est humain. Donc, à partir de là, c'est dans la description phénoménologique, quand est-ce que m'apparaît un visage, quand est-ce que ça fait visage, que la question se pose. Puisque je ne peux pas présupposer ontologiquement où il y a du visage. Donc tout le point de fragilité et d'intérêt de sa description, c'est celui-là. Où ça commence à faire visage? Où commence et où termine un visage? Et c'est-à-dire qu'est-ce qui peut mettre radicalement en question mon effort, ma perception d'un effort? Et est-ce que un visage animal? Mais je pense que... Et à ce moment-là, ça brouille même la question de savoir est-ce que c'est humain ou animal, la question de la détermination. Et si, juste un mot, quand vous dites en effet que c'est le visage qui fait l'humain, par exemple, dans certains textes sur la mort, le village dit un visage qui se transforme en masque, qui devient masque, c'est plus un visage. Mais si vous dites ça, si tu dis ça, à ce moment-là, tu dis, si c'est le visage qui fait l'humain, si l'animal est un visage, il est humain. C'est la forme la plus radicale de l'anthropomorphisme. Non. Si le visage fait l'homme, le visage peut faire l'animal, et l'animal est un homme. Ça défait complètement les mêmes. Le dispositif où il y a une différence anthropologique très forte et où il y a un privilège de l'homme. Ce que ça veut dire, alors ça, Lévinas ne le dit pas, jamais il l'a dit, mais je pense que si on est cohérent dans cette description, ça veut dire que si je suis mis en question de manière radicale, mais par un animal, et par alors même on peut poser, est-ce que seul le vivant me met en question? Je peux penser que oui, parce que seul le vivant peut souffrir. Parce que qu'est-ce qui me met en question c'est la vulnérabilité, la souffrance et la mort. Mais la souffrance n'est pas le visage. Bien entendu la souffrance, mais la souffrance n'est pas le visage. Aussi hostile que je sois à l'égard de Heidegger, le cours sur les concepts fondamentaux de la métaphysique, donc sur l'animal, l'animal est au grand monde, etc. D'abord, il est formidable, il faut reconnaître ce qu'il est. Mais il a cette dimension absolument, comment dire, me paraît-il, du plus grand intérêt, c'est de comprendre la complexité de l'animal sans lui, sans y inclure des données anthropologiques. C'est-à-dire, véritablement, sans... interpréter le comportement animal comme on interpréterait le comportement d'un homme. Et à cet égard, il me semble que si Lévinas, du moins courant de certains textes de lui, qui doivent être des textes mineurs, porterait vers un autre anthropocentrisme de ce genre, ça me semble, moi, vraiment... En aucun cas, pour la raison suivante, il ne s'agit absolument pas et jamais de projeter sur des caractéristiques, par exemple, anthropologiques, puisque de toute manière... Le visage. Mais c'est pas une caractéristique anthropologique. Mais c'est une qualité. Qualité d'humain, c'est pas rattaché à l'essence humaine. Voilà, c'est pas attaché à l'essence humaine. Mais je me fous de l'essence humaine. Si vous dites que le visage fait l'homme, Non, mais pour que tu considères que dire que le visage fait l'homme, c'est un entretien. J'ai pas besoin d'essence. C'est que tu as déjà défini le visage comme le visage de l'homme, c'est-à-dire à partir de l'homme. Or, ce que fait Lévinas, c'est qu'il décrit. Ce qui fait visage, c'est le point d'explosion, le seul point d'explosion réelle de la phénoménalité, qui est finalement le point d'explosion de mon intentionnalité et de mon effort dans l'être. Et ce point d'explosion, rien a priori ne le rattache à ce qui, dans le mobilier ontologique, se nomme, nous nommons, quand nous sommes installés dans une ontologie, homme. C'est le contraire s'il y a de l'humanité, de l'humanisme, c'est
d'ailleurs pas le visage qui fait l'homme, c'est l'épreuve d'être face à un visage. À la limite, c'est même là que je m'humanise. C'est en tant que je fais cette épreuve, qui est une épreuve effectivement de oui, mais ça, mise en question. Admettons, on vient de déplacer le point, d'accord. Mais même dans ce cas-là, comment sais-tu si. Ah ben c'est un homme qui fait l'épreuve du visage. Mais non, c'est pour moi la question. Comment pose la question, c'est tout le problème qui est à dire les places. Tu as raison, c'est qu'à ce moment-là, ça rapporte. Le point de fragilité, c'est comment je peux identifier de manière. On peut décrire ce que c'est que l'expérience de l'épreuve d'un visage. Mais quand est-ce que je reconnais que je fais effectivement l'épreuve d'un visage ou pas, là, on tombe sur la corrélation en fait, de toute phénoménologie. C'est la question de la réponse. Mais moi, j'ai cherché à. Le mort, il est non plus. J'ai cherché à donner une réponse, quand même, dans mon texte, aussi imparfait soit-il, j'ai cherché à donner une réponse de comment ça se montre. Comment ça se montre dans tout le texte, j'ai cherché à dire qu'il y a un registre dans lequel ceci se manifeste, c'est l'écriture, c'est la littérature. Maintenant, je voulais dire encore autre chose par rapport à la question du visage, à un visage non anthropocentré. Lorsque Derrida demande, ou cite Bentham, en demandant à propos de l'animal, en disant à propos de l'animal toute la question est celle-ci, Kanza et Sofa, eh bien, il est à proprement parler devant la question du visage, et on se demande, et là il se demande plus si c'est un visage humain ou un visage animal. Il y a une ouverture d'une altérité à hauteur de cette question. Une ouverture d'une altérité. Vous réduisiez, vous écartiez, si j'ai bien compris, la question de la souffrance en disant, non, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est d'abord celui d'un anthropocentrisme. Pas du tout. Au contraire, je dis qu'il y a une dimension propre de la souffrance du vivant, il n'y a pas du tout là-dessus. Mais cela n'engage pas, n'implique pas d'une quelconque façon que, il y a un visage animal. Alors, il faudra dire ce que c'est que faire un visage. C'est reconnaître un visage. Lorsque, au moment où par cette espèce d'empathie extraordinaire, je me demande, peuvent-ils souffrir j'étends le domaine de la vie, c'est-à-dire la question n'est plus de savoir si on est à l'intérieur de l'humanité ou à l'intérieur de l'animalité. Le mot animal, d'ailleurs, Derrida l'aurait pu jouer aussi. Le mot animal n'est plus le bon mot, parce qu'il est inscrit tout de suite dans un genre et dans un contexte biologique, il n'est plus la question. Alors que la littérature nous dit quand même, le régime littéraire, on parle. Y a-t-il d'autres questions? Bien, nous allons prendre 5 minutes de pause. C'est assez bien, donc on a le temps de prendre 5 minutes de pause et nous reprenons tout de suite après. Donc je remercie mille fois d'être avec nous aujourd'hui.
et de nous éclairer sur les positions de Levinas à travers l'exposé qu'il va nous présenter sur l'ontologisme et la vie. Merci Charles. Merci beaucoup Richard. Donc c'est la journée des précisions terminologiques. Notre université, pendant longtemps, a essayé de s'appeler Université Paris-Ouest-Nanterre de Défense, mais personne n'arrivait à le redire. Donc finalement, nous avons pris la décision de nous appeler Université Paris-Nanterre, parce que ça va finalement s'installer dans les consciences et être facilement adaptable. On va voir. Mais c'est officiel ? C'est très récent. Oui, c'est plus long. Paris-Ouest-Nanterre de Défense ? Mais Paris-Ouest-Nanterre de Défense, c'est vraiment difficile. D'un côté à roulette en bronze. J'entame cet exposé. Alors, en écoutant la présentation générale de Charles tout à l'heure, j'ai bien perçu qu'il y a plusieurs niveaux définitoires pour le thème qui nous réunit. Et en fait, moi, j'en ai aperçu trois, j'en ai traité un seul. Les trois niveaux sont d'un côté Lévinas et la vie, qu'est-ce qu'il y a comme pensée de la vie chez Lévinas, ça c'est un niveau. Il y a un deuxième niveau qui est Lévinas et la phénoménologie, jusqu'à quel point Lévinas est-il à inscrire dans l'orientation phénoménologique. Et le troisième point, il y a les limites de la phénoménologie, ou ce qui s'appelait dans la présentation de Richard, remise en cause de la phénoménologie, qui est quelque chose de beaucoup plus général, à quoi on assiste de plusieurs manières aujourd'hui. Alors, j'aurais au fond des choses à dire à tous ces niveaux, mais j'ai choisi de discuter uniquement Lévinas et la vie. Je vous dis juste un mot sur Lévinas et la phénoménologie, et donc je vais me limiter à vous dire dogmatiquement ma position à cet égard. Moi, ce que je vois l'œuvre de Lévinas comme intégralement, du début à la fin, phénoménologique, en un sens de ce qu'on peut appeler phénoménologie, qui est parfois d'ailleurs assez bien explicité par Lévinas lui-même, qui est que nous ne pouvons dégager de l'intelligible pertinent sur des thèmes que si nous passons par un accès à ces thèmes. Et cet accès lui-même, nous le caractérisons à travers des expériences. Alors si c'est ça la démarche phénoménologique, on peut soutenir que c'est ça, que c'est le fond de ce que nous sommes apportés. Il me semble que Lévinas a toujours œuvré de cette manière-là. Simplement, les thèmes qu'il a abordés sont en même temps des significations, ce qui fait qu'on peut dire que c'est une phénoménologie des significations, qui essaie de trouver des éléments d'expérience qui à chaque fois vont être décisifs pour éclairer les significations en cause. Donc voilà, je voulais. Et donc, alors maintenant, comment est-ce que ça entre en rapport avec ce qu'on appelle la métaphysique ? Ben, c'est que Lévinas a joué un coup qui est nouveau, qui est pour une part nouveau. Qui est d'utiliser le langage de la métaphysique pour décrire ses expériences métaphysiques. C'est-à-dire que la métaphysique, et pas seulement la métaphysique, quelque chose qu'on peut appeler l'ultra-métaphysique, intervient comme des instruments de la description phénoménologique. Donc voilà ce qui serait ma réponse sur ce sujet. Et maintenant, j'aborde ce que j'ai vraiment préparé pour vous, qui est vie et ontologisme. Ce que je vais faire, c'est d'abord dégager le problème, pourquoi c'est pas évident d'avoir une pensée de la vie chez Lévinas. Ensuite, je vais vous présenter quatre thèmes lévinasiens qui nous permettent de composer une sorte de philosophie de la vie lévinasienne, et puis je terminerai par une brève réflexion finale. Alors, de prime abord, on peut avoir le sentiment que Lévinas a quelque chose d'incompatible avec toute philosophie de la vie, en raison d'une notion qui est prise par lui dès le début de son œuvre personnelle, c'est-à-dire dans ce qui est d'abord un article en 1935 de l'Évasion, et qui ensuite est devenu un livre. Et dans ce texte, Lévinas définit un ennemi qu'il appelle l'ontologisme et pose pour la philosophie la tâche de surmonter l'ontologisme, dépasser l'ontologisme, ou sortir de l'ontologisme. C'est une ligne qu'il va garder tout au long de son œuvre. Donc, autrement qu'être, à cet égard, le livre Autrement qu'être, c'est juste une contribution à cette ligne, qui est la ligne de la sortie à l'égard de l'ontologisme. Qu'est-ce que c'est que l'ontologisme ? On le voit bien dans le texte de 1935. L'ontologisme, ça consiste à adopter l'être comme valeur.
ça, je crois qu'il y a très souvent une mauvaise compréhension dans, de la philosophie de Lévinas autour de cette affaire, hein, parce que on se concentre sur l'idée que Lévinas fait de l'être comme tel un ennemi. Alors, c'est pas ça tellement. L'idée, c'est que l'être jamais ne vaut comme valeur. Ce qui lui permet d'être un peu redondant, même dans la manière de le dire. Et c'est ça le point. Ce qui n'empêche pas, par exemple, Lévinas de faire l'éloge de la science, un éloge dithyrambique qu'il peut partager dans la communauté philosophique française. Et la science, c'est la description correcte de l'être. Vous voyez que si on dit que l'être, c'est l'horreur, c'est pas suffisant. L'idée, c'est que simplement, dans l'être, nous n'avons pas valeur. Maintenant, par rapport à notre affaire de la vie, ce qui est important, c'est que dans ce texte, nous trouvons une critique de l'élan vital bergsonien comme une figure de l'ontologisme. Et en fait, la critique de Lévinas ne vise pas seulement l'élan vital bergsonien, elle s'attaque en général aux philosophies du devenir. Je vous cite un bref passage de l'Évasium. Il est vrai que le renouvellement continuel de l'élan brise la prison d'un présent qui, à peine actuel, devient passé, et que la création ne s'arrête jamais sur une approbation de son œuvre. Mais il n'en reste pas moins que dans l'élan vital, le renouvellement est interprété comme une création et dénote ainsi un asservissement à l'être. Donc vous voyez, ce qui est une philosophie de la vie contre laquelle, à laquelle Lévinas s'oppose, c'est une philosophie qui voit dans la vie essentiellement le devenir et comprend le devenir de la vie essentiellement comme renouvellement. Et c'est ça, cette figure de la philosophie de la vie qui ne satisfait pas Lévinas. Et vous voyez pourquoi ? Parce que le renouvellement, c'est la création, et donc finalement c'est toujours finalisé dans l'être, c'est ajouter de l'être à l'être. Et donc Lévinas contraste la notion de sortie avec celle de devenir. Je cite deux éléments de l'article 35, c'est qu'au fond le devenir n'est pas le contre-pied de l'être. Et un peu plus loin, la catégorie de sortie inassimilable à la rénovation liée à la création. Donc vous voyez bien que l'enjeu, c'est celui d'une sortie qui ne soit pas le devenir. Et ça, c'est un différent avec la philosophie française contemporaine qui est très important, parce que presque toutes les philosophies contemporaines, y compris celles qui exaltent nos étudiants actuels et les étudiants que nous étions, sont toujours des philosophies de l'apraxis qui nous racontent qu'il y a une ouverture merveilleuse à la fois et notre agentivité va entrer dans les portes de cette ouverture et tout va être renouvelé sans arrêt, il y aura un changement kaléidoscopique. Bon, on a l'impression que toutes les philosophies françaises nous dessinent ça, nous racontent cette histoire-là. C'est du devenir, c'est du renouvellement. Donc l'affaire de la sortie, c'est une autre affaire. Alors j'insiste un peu sur ce contexte de la philosophie de la vie ontologisante, hein. Au-delà de Bergson, et j'ajoute que Lévinas ne réduit pas du tout Bergson à ça. Lévinas voit des tas d'autres choses chez Bergson, et il est essentiellement élogieux d'ailleurs à Bergson. Mais vous avez une continuation de cette orientation, de cette philosophie de la vie ontologisante, de cette exaltation du devenir, de la réinstitution. Vous avez une continuation chez Merleau-Ponty et chez Deleuze, typiquement. Chez Merleau-Ponty, on le sait bien, il reprend le Dasein heideggerien, et le Dasein heideggerien, c'était déjà, et c'est quelque chose que Lévinas a souligné, hein, au début, en découvrant l'existence avec Husserl et Heidegger, le Dasein heideggerien, c'est quelque chose qui s'est substitué au sujet de la philosophie moderne, qui était essentiellement un sujet épistémologique, et comme sujet épistémologique, il était détaché de l'être. Il était hors être, ayant à justifier l'objectivité de ses connaissances, de toute connaissance, de toute région de l'être, de toute chose de l'être. Et donc, Lévinas insiste sur le fait que le Dasein heideggerien, c'est la réinclusion du sujet dans l'être. C'est un des sens essentiels de Dasein. Merleau-Ponty reprend cette ontologisation du sujet chez Heidegger, et il la décale encore vers la vie et vers le corps. Et donc, maintenant, nous sommes, quand on lit les pages magnifiques d'ailleurs de Merleau-Ponty, hein, on voit que nous sommes décrits comme un pouvoir instituant, et c'est ça qui est valorisé, c'est d'institution, vous retrouvez cette idée du renouvellement, et ce pouvoir instituant, simplement, il provient du génie du corps, parce que le corps a le génie de l'introduction des formes dans le monde. Donc notre vie rénove l'être, et c'est ça à quoi finalement la phénoménologie et une ontologie phénoménologique de Merleau-Ponty aboutit. Chez Deleuze, vous trouvez des descriptions également tout à fait saisissantes. Vous voyez que la vie est comprise à la fois comme territorialisation et comme déterritorialisation. Je vous recommande en particulier le plateau sur la ritournelle dans le plateau.
la vie a des territorialisations, et ça veut dire que toute vie installe des signes, affiche des symboles dans un territoire. Toute vie a un côté installation publicitaire dans un domaine. Et ici, des oiseaux, des coraux, des leuves. Et d'un autre côté, en même temps, la vie, elle est déterritorialisation au sens où elle est une vibration qui emporte vers quelque chose que Deleuze appelle volontiers chaosmos. Et donc, ce bouger fondamental selon lequel notre vie s'emporte selon la déterritorialisation, c'est une puissance d'avenir. C'est-à-dire que par ce mouvement, par cette traversée du chaosmos, la vie promeut l'éternel retour du différent. C'est un autre aspect de la philosophie de Deleuze, c'est qu'il interprète, il réinterprète l'éternel retour nietzschéen comme quelque chose par quoi, à chaque fois, sans arrêt, le différent est sélectionné et c'est le différent qui revient. Ça revient éternellement, mais comme éternel retour du différent. Donc le mouvement de la vie, dans cette perspective, nous sauve de la limitation et de l'assignation de l'humain. Donc, vous voyez, la vie apparaît comme un cadre où vraiment prévaut l'ontologie du devenir, et l'humain comme une tentative de rabougrir ça, de rétrécir la mouvance de la vie sur la fixité d'une essence humaine. Et donc on doit jouer la vie et son devenir contre notre humanité, en un sens, contre notre fixité d'humain. Et de nouveau, vous voyez que le bien, il est dans ce renouvellement, dans cette différence, dans le langage plus proche de celui. Donc toutes ces figures-là, elles ne sont visiblement pas compatibles avec l'orientation léninacienne qui, lui, cherche la sortie hors de l'ontologisme. Mais en même temps, avec tout ce que j'ai dit, vous voyez qu'il y a un cahier des charges d'une philosophie de la vie léninacienne. Une philosophie de la vie léninacienne, il faudra qu'elle essaie de penser la vie en dehors de l'ontologisme. Et c'est ça qui est la difficulté. Mais je pense qu'à certains égards, on a des éléments de ça, des éléments assez convaincants dans la philosophie de classe, et c'est ce que je voudrais essayer de vous présenter maintenant. Donc j'entre dans la deuxième partie, ça c'était le problème. La deuxième partie, c'est thèmes d'élimination. Alors des thèmes qui, à travers lesquels nous rapprochons quelque chose comme une compréhension de la vie qui ne serait pas selon l'ontologisme. Premier thème, le thème de l'IA. Il faut, je crois, remonter au thème de l'IA, hein, bien que ce n'est pas immédiatement de ça qu'il s'agit dans l'Iliade, mais vous allez voir comment je rattache finalement le thème de l'Iliade à notre affaire. Bon, l'Iliade, vous savez, c'est une notion importante, puisque c'est la façon dont Lévinas nomme l'être au-delà de l'étang, indépendamment de l'évolution hegelienne, et peut-être même un petit peu avant, de toute façon, en tout cas contemporaine, mais clairement indépendant. Hein. Lévinas nomme l'être au-delà de l'étang, Iliade. Donc l'être au-delà de l'étang, ça veut dire l'être sans étang, ou l'être ne se disant pas de l'étang. Parce que la figure qui s'appelle la figure de la métaphysique chez Heidegger, c'est la figure où l'être est toujours prédicat conceptuel de l'étang, se disant de l'étang. Donc qu'est-ce que c'est que l'IA, l'être au-delà de l'étang, l'être sans étang? C'est un pur mouvement, une pure recombinaison, un pur processus, ou encore un pur temporalisé mouvement. Donc oui, là il y a une confirmation de l'érapitéisme. Et on peut dire que c'est quelque chose qui est reconnu aussi dans d'autres langages, par des gens comme Bergson ou comme Deleuze. Il y a une reconnaissance que si je pense l'être comme tel, par lui-même, ce à quoi j'accède, c'est le pur mouvement, la pure recombinaison, le pur processus, la pure altération infinie perpétuelle. Mais cet être processus, pour Lévinas, c'est l'absurde lui-même. Je crois que c'est le meilleur synonyme, hein. Et dans toute la philosophie de Lévinas, l'IA va fonctionner comme l'absurde. Et toute la philosophie de Lévinas, on peut la décrire comme ça, elle élabore le sens contre l'absurde de l'IA. Pour qu'il y ait du sens, il faudrait qu'on ait la structure du pour X. Il faudrait que quelque chose puisse être pour quelqu'un, pour quelque chose. Il faudrait qu'il y ait une destination pensable. Mais dans la pure fournaise du mouvement et du déploiement et de la recombinaison, il n'y a pas de destination, il n'y a pas de focalisation. Donc on n'a pas le tout X, donc on n'a pas de sens. Il n'y a que l'autosuffisance pleine du mouvement de l'être. Le sujet, néanmoins, dans la description qui est donnée dans
ça peut être à l'instant, ça. Le titre du livre. De l'existence à l'existence. De l'existence à l'existence, merci, pardon. Donc, dans la description qui est donnée dans, de l'existence à l'existant, hein, on décrit néanmoins une figure de la subjectivité qui va s'arracher à l'IA, qui va émerger de l'IA et qui est nommée hypostase. Et donc, ça, c'est l'invention de l'étang. L'hypostase, c'est en fait le sujet humain, mais qui est appelé hypostase, c'est le premier étang. Avant, on n'avait que le processus absurde de l'être. Le premier étang, c'est l'hypostase. Et ce premier étang, il est immédiatement qualifié comme corps, comme ici et comme maintenant. Alors, déjà, il faut bien comprendre le ici et le maintenant de l'hypostase. Donc, c'est un étang, donc il y a une focalisation. Il y a une singularité qui compte. Et elle a son ici et son maintenant. Et cet ici et ce maintenant, et Vinas insiste là-dessus, je crois que c'est très important, ne sont pas à comprendre comme des localisations dans un référentiel de l'espace ou dans un référentiel du temps. Si vous comprenez ici et maintenant comme des localisations dans un référentiel de l'espace et dans le temps, ben, l'hypostase, elle serait originairement rapportée à des cadres préalables de l'espace et du temps. Hein. Et donc ce ne serait pas l'arrachement que veut Lévinas. Hein. L'idée d'Elina, c'est plutôt que l'ici et le maintenant, ils sont sui référentiels. C'est l'ici et maintenant de. J'ai oublié de remettre mon avion. Donc voilà de nouveau en avion. L'ici et maintenant, ils sont sui référentiels, c'est-à-dire ce qui est désigné comme l'ici, ben, c'est l'ici de l'hypostase. Donc, et le maintenant, c'est le maintenant de l'hypostase. C'est pas l'ici et le maintenant de l'espace et du temps. C'est un auto-repérage. Suit référentiel. Alors le problème, c'est est-ce que corps, ça désigne déjà une vie ? En un sens, oui. Hein ? Sauf que le corps doit toujours se comprendre dans le sens de l'arrachement à l'être. Et une des façons dont phénoménologiquement Lévinas détermine cette notion du corps, c'est en disant que le corps est la base à laquelle je reviens pour me séparer de l'être. Je surgis comme hypostase qui s'arrache à l'être, se distingue de l'être. Et le corps, c'est la base à laquelle je reviens avant de réaffronter l'être. Donc le corps, c'est un terme qui renvoie à la vie en un sens, hein, mais d'un autre côté, dans la construction phénoménologique qui est proposée, il vaut comme la base arrière de notre séparation. Donc c'est problématique déjà de savoir comment nous pouvons penser la vie, mais nous voyons se dégager cette idée de sui-référence, qui est une idée importante. Un dernier commentaire sur le mot hypostase lui-même. Vous savez que le mot hypostase, il appartient au lexique du néoplatonisme. Et dans les conceptions néoplatoniciennes, l'hypostase, c'est quelque chose qui se tient en dessous de l'innommable, du transcendant de l'un, mais qui en est une sorte de présentation qui serait un intermédiaire pour nous, qui en est une sorte de tenant-lieu, le vicaire de l'un. Donc vous pouvez entendre l'hypostase comme ça, comme vicaire de l'un qui est une figure de l'autre être. Ou si vous voulez hébraïser la chose, vous pouvez comprendre l'hypostase comme les sphères de la pensée, les séphirotes de la pensée kabbalistique. C'est donc des vicaires de l'ensof, de l'infini strictement innommable. Donc vous avez ça. Mais en même temps, corps, c'est la vie. Et même le mot corps, c'est comme ça que ça fonctionne chez Kant, c'est un des mots qu'on utilise en philosophie pour désigner les temps quelconques. Donc je crois qu'il faut comprendre l'hypostase comme la conjonction paradoxale de ces éléments. C'est une sui-référence et qui est déjà vitale, c'est pour ça qu'on a le mot corps, mais en même temps elle doit se comprendre comme arrachement à l'être, et elle est vicaire de l'au-delà. Deuxième thème lévinassien, le vivre d'eux. Alors c'est un passage célèbre de la section 2 de Totalité infinie, celle qui s'appelle Intériorité et économie. Et donc dans cette partie du roman de Totalité infinie, Lévinas décrit la subjectivité avant l'éthique. C'est avant, évidemment à modérer, ça se présente comme un roman, mais après, il ne faut pas le comprendre purement. Un roman de formation. C'est vrai que Totalité et Infinie se présente comme un roman de formation. Pas attaché trop de crédit à cette temporalité. Mais enfin, donc, cette subjectivité d'avant l'éthique, Lévinas la caractérise comme, notamment par le vivre d'eux.
qu'est-ce que c'est que cette idée du vivre d'eux, vivre d'eux avec trois petits points derrière, vous voyez. C'est l'idée que vivre possède toujours, alors j'ai noté un COD sur mon slide, en supposant qu'on avait le même enseignement primaire et secondaire dans la tête, et donc on a appris l'objet direct, on a appris à appeler le COD. Je dis complément d'objet direct si ce raccourci lui paraît trop vulgaire. Donc la vie, ou alors, on va dire que la vie possède un accusatif d'objet interne, envoyé à ceux qui ont fait du latin. C'est-à-dire qu'il y a toujours un contenu de la vie, et la vie consiste à se repaître de ce contenu. Vivre, c'est se repaître de son accusatif d'objet interne, c'est se repaître du COD de la vie, à chaque instant. Et aussi, Levinas insiste sur une idée qui est la sincérité du vivre. C'est-à-dire qu'on fait ça, on se repère du complément d'objet direct de notre vie à chaque instant, en le prenant comme une finalité incontestable et suffisante. Donc on est dans cette consommation sans interroger sa finalité d'aucune manière. Et c'est ça notre sincérité. On ne triche pas. Donc juste une citation, hein. Nous vivons de, pour pouvoir donner des exemples de COD, nous vivons de bonnes sous, d'air, de lumière, de spectacle, de travail, d'idées, de sommeil, etc. Alors vous voyez, ce vivre d'eux, il est toujours dans l'élément de la sui-référence, hein, parce que je me repais du complément d'objet, mais ce complément d'objet, il se retrouve internalisé. Et une partie des descriptions de Levinas consiste à dire que il n'y a plus de monde là-dedans. Dans notre façon de vivre d'eux, il n'y a plus de monde, il n'y a plus que la sui-référence de notre vie. Et en particulier, ce vivre d'eux, ce n'est pas du tout la figure qui est préférée par la philosophie française contemporaine, au long du XXe siècle pratiquement, hein, qui est la figure de la négativité, du dépassement praxique du monde. Qu'est-ce que c'est vivre pour la majeure partie des philosophes de la philosophie française contemporaine, ou plutôt pour la majeure partie de leurs textes? C'est toujours être un centre de négativité à l'égard d'un contexte et d'un environnement, et ce centre de négativité va toujours s'exprimer dans une praxis. Voilà, le vivre d'eux, vous voyez, c'est autre chose, clairement. Néanmoins, le vivre d'eux se prête à une interprétation dans la ligne du jeu de l'être, et c'est très important aussi. Et là, à quoi je pense? Je pense au connatus et saint. C'est-à-dire que vous pouvez retraduire cette sui-référence, cette sincérité, cette consommation bienheureuse du COD de la vie par la vie, hein, vous pouvez le réinterpréter comme modalité de la persévérance dans l'être. Hein. Et donc finalement, ça va être décrit par Levinas comme retour à soi, le connatus à Saint-Denis, il retourne, c'est un soi qui revient toujours à soi, après avoir profité du monde. Et d'autre part, ce soi du connatus à Saint-Denis, il sera constitutivement en compétition avec les autres pour la part d'être. Et donc ça, c'est un connatus à Saint-Denis qui est déjà dans l'élément de la guerre. Donc vous voyez que la vie est ambiguë et ambivalente à ce stade. Vous avez d'un côté son rabattement sur le jeu de l'être avec la figure de connatus à Saint-Denis. Vous avez la persistance de cette idée sui-référence s'acceptant de l'être. Et là, c'est l'idée du vivre. Nouvel élément, la naissance. Autre thème de naissance. Et là, je vais évoquer la quatrième section de Totalité infinie. Elle s'appelle Au-delà du visage, et c'est un texte très étrange, au point que, en manière de plaisanterie, il est arrivé de suggérer qu'on devrait étudier la quatrième section de Totalité et l'infini seulement après 40 ans. Dans cette section, vous trouvez un passage extrêmement célèbre, lui aussi, qui est Phénoménologie d'Eros. Et en fait, dans ce passage, Levinas décrit le désir de la sexualité, c'est ça qu'il s'agit. Et il décrit une continuité entre le désir sexuel et la naissance. Et donc c'est cette catégorie de la naissance ici qui va m'intéresser, parce que ça revient à notre affaire de la vie. Donc le but du passage, c'est de caractériser le mode intentionnel vers l'objet du désir. Alors cet objet du désir, il est appelé le féminin, puisque cette entreprise phénoménologique, elle est conduite par, visiblement, par une première personne du singulier, masculine hétérosexuelle. Alors bon, on peut juste lire ce texte en restant dans le cadre de cette limitation méthodologique. Et je vous fais part de quelque chose que je soupçonne. Je soupçonne que c'est parfaitement symétrique. C'est pareil.
la première personne du singulier féminine hétérosexuelle, c'est peu différent. Et puis, je pense que la première personne du singulier féminine, masculine, homosexuelle, ça pourrait être pareil aussi. Donc, je ne suis pas tout à fait, pas du tout sûr que ça ne soit pas universalisable. Bien que, en général, les lecteurs ne le voient pas comme ça. Mais peu importe. Ce n'est pas important pour nous. Ce qui nous intéresse, c'est comment est compris ce mode intentionnel vers l'objet du désir. Ben, il est compris de la manière suivante, c'est que l'objet du désir vaut pour nous comme pudeur offusquée. Ça, c'est le premier élément. Donc c'est une pudeur qui a déjà baissé la garde, c'est-à-dire qu'elle est déjà violée, si vous voulez. Mais c'est une pudeur quand même, c'est une pudeur offusquée, c'est le premier élément. Et deuxièmement, c'est un ne pas encore, ou encore, c'est une profondeur troublante de l'avenir. Donc oui, notre désir va vers l'échappement intime d'une personne vers un obscur, un insaisissable, qui sont en même temps promesses. Et ce caractère de promesse, de ne pas encore, il me semble que c'est lié à la levée de la barrière de la pudeur, justement. Mais en même temps, ce ne pas encore ouvre sur une infinitisation. Dans la phénoménologie d'Eros, vous avez cette idée. Bon, la caresse ne rattrape jamais le caressé. Ce qui est étonnant, c'est que Lévinas voit une continuité de sens entre le désir sexuel ainsi compris et la naissance à venir d'un enfant. Tout se passe comme si le nouvel être humain venait à travers l'obscurité de l'échappement qui vient d'être vécu. Donc il faut traverser les limbes de l'obscur vers lequel la pudeur offensée fait signe pour que, en sortant de ces limbes, vous ayez le nouvel être humain. Vous pouvez avoir l'impression qu'il y a quelque chose de commun entre ce récit, qui est en même temps une description en principe, et la conceptualisation deleuzienne du renouveau dans l'art, la science ou la philosophie après la traversée du chaos. Je pense ici au livre tardif « Qu'est-ce que la philosophie de Deleuze ?» Là aussi, on a un renouveau après, en étant passé par quelque chose qui n'est pas le chaosmos, mais qui est un obscur, qui a aussi appelé des limbes. Néanmoins, il y a des différences qui importent. Il y a encore quelque chose qui n'est qu'à moi, qui serait partiellement commun, c'est que Lévinas décrit ce renouvellement comme la réponse à quelque chose qui est l'encombrement du moi par lui-même, l'encombrement du soi par lui-même. C'est-à-dire, Lévinas dit, on est dans une succession de phases où c'est notre liberté qui décide et agit. Et donc, à chaque fois, on peut regarder cette liberté sous l'angle du renouvellement qu'elle apporte, mais néanmoins, au fil de ces actes, de ces sélections libres, de ces ouvertures de configuration par la liberté, c'est toujours nous, c'est toujours notre histoire, c'est l'histoire de nos actes, et il s'empile une sorte de destin. Donc, l'empilement de nos res gestae prend la figure d'une identité et d'un destin. Et c'est ça dans quoi on s'encombre. Toute liberté finit par s'encombrer par elle-même. C'est un peu ce que décrit Lévinas. Hein. Et donc, le commerce sexuel, le désir sexuel, le passage par l'obscur, ça ouvre sur un renouvellement qui va échapper complètement à cet encombrement. Et pourquoi ? Parce que c'est le démarrage d'une autre personne. Donc vous voyez qu'il y a bien cette figure du renouvellement, et même d'un renouvellement qui joue contre l'identité, pas exactement une identité en tant qu'assignée et acquise, mais une identité en tant qu'auto-encombrement. Donc il y aurait ces éléments communs avec une vision d'espèce de deuxième. Mais d'autre part, le renouvellement, il est toujours tourné vers la personne. D'un côté, le désir, il est quand même tourné vers la personne, et même une personne qui est déterminée par la pudeur, ce qui est encore une détermination. Et par ailleurs, d'ailleurs, Lévinas dit, dans la même phénoménologie d'Eros, que l'autrui désiré est encore autrui, même si ce n'est pas ça qui prévaut dans le désir, mais c'est toujours là. Donc il y a toujours cet élément personnel. Et deuxièmement, on arrive à un être humain en plus. Donc vous avez quelque chose de commun avec cette idée du renouvellement, mais c'est un renouvellement qui est un rebondissement de personne humaine à personne humaine. Dernier, nouveau thème, et c'est le dernier, je crois, la dédicace. Alors là, je vais aborder l'ouvrage autrement qu'être, hein, et je vais aborder des questions qui sont très souvent discutées. L'ouvrage autrement qu'être, il décrit, comme je comprends,
sur le mode phénoménologique, justement, une subjectivité éthique. C'est-à-dire une subjectivité improbable, une subjectivité mythique, qui s'exprime comme la flèche de l'impro. Et dans la façon dont Lévinas dépeint cette flèche de l'impro, quelque chose sur quoi les gens insistent beaucoup, c'est qu'elle paraît ouverte sur le don intégral de la vie. Et donc c'est ça qu'il faut comprendre du point de vue de la philosophie de la vie de Lévinas. Alors si on regarde la réaction des commentateurs à ce qu'il y a dans Autrement qu'être sur la flèche de l'impôt, on constate que, si vous permettez de faire des observations un peu mathématiciennes, on constate qu'en fait les commentateurs, ils ont un problème avec les deux bords topologiques de la flèche de l'un pour l'autre. Alors, en fait, normalement c'est une présentation PDF ça, mais comme on n'a pas d'appareil, je vais vous raconter le dessin. Hein. Donc imaginez une flèche de l'un pour l'autre, hein. Donc c'est la flèche de la dédicace, c'est ce qui va vers autrui, sur le mode de l'oblation, le porte-secours, me voici, la flèche de l'un pour l'autre. Et donc vous avez deux bords, un bord à gauche, qui est du côté du moi si vous voulez, et un bord à droite. Et en fait, dans la description de Lévinas, c'est ouvert des deux côtés. C'est ouvert à gauche, au sens où Lévinas dit que l'élan de l'un pour l'autre ne peut jamais s'appuyer sur un noyau du soi. Ça, c'est des choses sur quoi Lévinas insiste beaucoup, c'est-à-dire que ce mouvement de don, d'oblation de l'un pour l'autre, il ne part pas d'un noyau substantiel du soi, qui resterait un centre opérationnel, au-delà duquel il y aurait la flèche, en fait, tout ce qui apparaît comme noyau va être intégré à la flèche, potentiel, virtuel. Donc, moi, je symboliserai ça, si vous avez fait un minimum de mathématiques dans l'enseignement secondaire, vous devez vous souvenir que l'intervalle ouvert en arc, un petit signe comme ça, qui exclut la borne. Donc, à gauche de la flèche, je mettrai un petit signe d'exclusion, montrant que il n'y a pas un moi substantiel qui fait borner arrêt, c'est comme si toute substance était déjà intégrée dans la flèche. Ouvert à gauche. Et ouvert à droite, alors il y a cette idée qu'il n'y a pas de limite, je peux être amené à tout donner, y compris ma vie. Mais aussi, très important, cette ouverture à droite, elle est décrite comme ouverture infinitaire. L'oblation de l'un pour l'autre, elle est infinitaire. Et en mathématiques, on marque, quand ça va jusqu'à l'infini, vous marquez aussi l'intervalle ouvert. Vous marquez intervalle ouvert et plus infini, juste au bord de votre intervalle ouvert. Donc voilà le schéma. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà le schéma d'après. Alors pourquoi ces deux bords sont des occasions de débat des commentateurs, de difficulté des commentateurs? La condition topologique à gauche, on a le sentiment que ça remet en danger la liberté. Et la condition topologique à droite, on a l'impression que ça, soit ça met en danger la vie, soit ça dévalue la vie. Alors la condition à gauche, elle dit seulement qu'il n'y a pas un sous-centre substantiel libre avant la dédicace. Mais ça n'empêche pas cette dédicace d'être contingente. Et au contraire, Lévinas insiste toujours sur le fait que notre dédicace, elle est improbable. Donc il faut bien voir que si on dit que l'ouverture à gauche, c'est incompatible avec la liberté, c'est parce qu'on veut une liberté qui soit toujours une liberté délibération depuis un noyau substantiel. Alors si vous voulez que la liberté soit toujours délibération depuis un noyau substantiel, vous ne comprenez pas la liberté de l'un pour l'autre. Mais si pour vous le paramètre essentiel de la liberté c'est la contingence, ça c'est compatible. Donc voilà mon commentaire sur la condition à gauche, et maintenant sur la condition à droite. Ben, je crois que très souvent, les gens comprennent la condition à droite, hein, c'est-à-dire l'infinité de l'oblation, ils la comprennent dans l'analogie avec l'être pour la mort et les graines. C'est-à-dire que c'est comme si pour eux, à partir du moment où il y a cette ouverture à droite, chaque don était prélevé sur le don total. Comme on dit chez Heidegger, que chacun de mes possibles est prélevé sur le tout des possibles auquel va l'emmener l'être pour la mort. Alors en fait, je pense que vous ne pouvez pas voir ça, voir comme ça Lévinas, parce que Lévinas insiste beaucoup sur le fait que ça, c'est l'infini. La dédicace illimitée, c'est une figure de l'infini. Alors que chez Heidegger, l'être pour la mort, comme totalisation anticipée de chacun des possibles, c'est le fini du temps. Donc vous voyez déjà la différence à cet endroit-là. Et en fait, pour être encore plus précis, si vous indexez le temps lévinasien sur la mort, sur le temps total de la vie, à ce moment-là, vous redonnez une mesure ontologique au don.
et donc vous avez perdu le sens autrement qu'être de la flèche de l'un pour l'autre. Si vous voulez comprendre l'un pour l'autre ce que le mode autrement qu'être auquel les matrices utopiques, vous devez absolument ne pas faire de la mort, qui a fait ontologie par excellence, la mesure de tout don. Au contraire, il faut imaginer que les dons ignorent cette limite, et pas du tout qu'ils sont déterminés ou définis ou régulés par elle. Alors, je cite finalement ce que dit Lévinas dans l'entretien avec Philippe Nemo, Éthique et infinie, sur ce sujet. Philippe Nemo lui demande: irez-vous jusqu'à dire que vous n'avez pas le droit de vivre? Et Lévinas répond: je ne veux nullement enseigner que le suicide découle de l'amour du prochain et de la vie vraiment humaine. Je veux dire qu'une vie vraiment humaine ne peut rester vie satisfaite dans son égalité à l'être, vie de quiétude, qu'elle s'éveille à l'eau, c'est-à-dire est toujours à se dégriser, que l'être n'est jamais, contrairement à ce que disent tant de traditions rassurantes, sa propre raison d'être, que le fameux Confucius et Saint-Denis n'est pas la source de tout droit et de tout ça. Là, vous voyez bien que la signification de cette efficace, elle est dans le ne pas prendre l'être. Alors je vous propose une analogie, ça c'est une partie confessionnelle, je m'en excuse auprès de vous, je vous propose une analogie de cette réflexion avec les principes du Pikuach Nefesh et du Kiddush Hashem dans la tradition juive. Le Pikuach Nefesh, c'est le principe qui dit qu'on peut transgresser n'importe quel commandement au moment où il s'agit de porter secours à une vie. Donc ça s'applique en particulier au cas du médecin qui est sollicité pendant Shabbat. Je vous signale que c'est des choses qui commencent à devenir un peu célèbres, puisque dans la série américaine Chicago Med, vous avez un médecin, un chirurgien observant, tandis que quelqu'un hésite à déranger parce qu'il y a une opération à faire et il est le plus compétent, et bon, son assistant se décide quand même finalement à lui demander d'intervenir, et il dit: mais tu peux croire mes flèches, il n'y a pas de problème. Et donc le spectateur est supposé comprendre. Et le Kiddush Hashem, c'est l'idée que. Il y a certains cas où on doit envisager de payer du prix de sa vie au nom de certains principes. C'est ce qu'on appelle sanctification du nom dans la tradition de l'Éternel. Alors, l'explication traditionnelle du principe de Pikuach Nefesh dit que les commandements sont faits pour encadrer la vie. Donc, vous voyez la perspective. La perspective, c'est que la vie est grande parce qu'elle est le support du déontologique. C'est-à-dire, si je reformule ça en termes ignatiens, la vie est grande parce qu'elle est le support de l'orientation autrement qu'être, de la victorisation autrement qu'être. Néanmoins, il y a le principe du Pikuach Nefesh, du Kiddush Hashem, qui dit qu'on peut avoir à renoncer à la vie lorsqu'une très haute exigence est en jeu, le meurtre, l'inceste ou l'idolâtrie. Mais l'idée de la tradition, c'est que on va renoncer à la vie sans égard pour le sacrifice comme tel, en l'ignorant. Donc vous voyez que l'ensemble de cette conception, ça nous donne l'idée que la vie est valorisée comme un éveil infinitaire qui ne tient pas dans le prématus et sa vie. C'est-à-dire que la vie, elle est valorisée à certains égards comme une vie anthologique. Quelques réflexions finales maintenant pour conclure. Je voudrais essayer de proposer quelques réflexions finales en sortant du mode qui est un peu le mode technique du commentaire de la conceptualité lévinassienne, en revenant plus près du sens commun. Et donc je me référais à d'autres textes de Lévinas. Et je pense que la première chose qu'il faut dire et qui est importante, c'est que Lévinas valorise la douceur de vivre. Alors, quand je pense à l'expression douceur de vivre, bon, d'abord j'ai en tête le texte de Lévinas, mais j'ai aussi en tête un film qui m'a beaucoup marqué dans mon adolescence, c'est un film de Bertolucci qui est Prima della Rivoluzione. Et pourquoi ça s'appelle? Alors ça raconte la destinée militante, désireuse de révolution de quelques jeunes gens des années 60. C'est un film qu'on regarde maintenant avec une sorte de nostalgie, si on est vieux, et peut-être de curiosité zoologique si on est jeune. Quand le film commence, il y a une citation en exergue, une citation de Talleyrand, et qui dit « Ceux qui n'ont pas vécu avant la Révolution ne savent pas ce que c'est que la douceur de vivre. » Donc je pense que c'est bien pour la notion de douceur de vivre, vous voyez, c'est quelque chose qui est si important pour nous, même nous qui sommes hyper engagés dans les mouvements les plus radicaux. En fait, rétrospectivement, on se souvient qu'on était attaché à la douceur de vivre. J'aime bien cette connotation.
le texte de Lévinas que je suis en train d'évoquer, c'est un des textes les plus sublimes, qui est le texte sans nom, que vous trouvez dans mon propre. Et dans ce texte, Lévinas rappelle d'abord que l'expérience de la Seconde Guerre mondiale nous a rappelé que nous pouvons vivre avec beaucoup moins que nos conforts usuels. C'est pas qu'on les choisit, mais il y a des gens qui se sont trouvés avoir à vivre en n'ayant presque rien de ce qui ordinairement est la base à laquelle s'accroche notre vie quotidienne. Premier point. Deuxièmement, nous pouvons être en danger au point de devoir combattre et tuer. C'est-à-dire que si horrifiés que nous soyons à l'égard de l'agressivité, de l'agression, de la possibilité du meurtre, on peut se trouver dans des situations où il n'y a rien d'autre à faire. Et troisième point, il dit néanmoins, si on traverse ce genre de période, il faut avoir en vue le retour à la douceur de vivre. C'est-à-dire, il ne faut pas brusquement transformer en norme cette double horreur d'une vie à qui on a enlevé la plupart de ses accrochages évidents et une vie qui est obligée pour vivre de combattre et tuer. Je cite Lévinas, ne pas se complaire dans la situation tragique aux vertus viriles de la mort et du meurtre désespéré, ne vivre dangereusement que pour écarter les dangers et pour revenir à l'ombre de sa vie et de son physique. Et vous voyez que là, Lévinas emploie l'expression vivre dangereusement. En faisant mes recherches, en préparant cette intervention, j'ai vu que vivre dangereusement, c'est une expression qu'il aime, qu'il emploie souvent, pas toujours de la même manière. Et tout est un peu là. Son vivre dangereusement n'a rien à voir avec l'héroïsme romantique suspect du vivre dangereusement. Là, vous en avez un premier exemple. Et effectivement, Lévinas nous engage en un certain sens à vivre dangereusement. Et qu'est-ce qu'il y a comme contenu de cette idée de vivre dangereusement? Un premier contenu, c'est que on doit être prêt à tenir la posture qu'il appelle la posture de la pauvreté d'exilé. Et là, je renvoie à l'article « Dieu fait homme » dans « Entre nous », qui est surtout une discussion avec le christianisme et la théorie influencière. Mais qu'est-ce que ça veut dire chez Lévinas, tenir la posture de la pauvreté d'exilé, de la dépossession? C'est en gros ne pas s'illusionner sur ce que nous contrôlons de l'être et de la vérité. Il y a les deux côtés. D'abord, le jeu des forces de l'être, on ne contrôle pas tout, mais aussi la détermination objective connaissante du réel, on en a des morceaux partiellement cohérents, pas plus que ça. Donc, tenir la posture de la pauvreté d'exilé, c'est déjà ça simplement, c'est-à-dire ne pas fermer les yeux sur la dépossession, sur ce qui s'appelle la misère chez Jean-François Lyotard. C'est le côté lyotardien. De vivre dangereusement, assumer la misère. Mais deuxièmement, c'est aussi rester tourné vers l'exigence, vivre vers autrement qu'elle. Ce qui, pour Lévinas, veut dire aussi garder la loi juive, et il comprend le fait de garder la loi juive comme une manière de ne jamais oublier que le mal radical nous guette. Pourquoi tous ces efforts pour suivre tant de commandements? C'est parce qu'on se souvient que l'humanité, à défaut d'efforts considérables, est terriblement attirée par le mal radical. Donc vous voyez, vivre dangereusement, ça a ses deux sens. Rester indexé sur autrement qu'être et pas dénier la misère. Voilà, j'ai fini. Merci. Merci beaucoup, Jean-Michel. C'est bien prononcé cette fois. Jean-Michel, c'est parfait. Prénom du baby. Bon. Vous avez indiqué au début, à partir de la présentation que j'ai faite, trois thèmes, c'est le croisement des trois thèmes. Et donc, c'était votre objet d'ailleurs de considérer le premier. Vous avez défini au départ l'ontologisme comme le fait de tenir l'être comme valeur. Comme valeur par rapport au non-être? Non, c'est lié. Enfin, ça prend aussi cet aspect. Mais la formule de base, c'est que quand l'être se manifeste comme être, quand il y a du surplus d'être, ou de la perfection d'être, ou quand l'être remplace le non-être, tout ça c'est la valeur. Donc un penseur comme par exemple Jonas serait pour Lévinas un ontologiste? Je connais pas Jonas. Mais j'ai entendu les exposés. Qui insiste sur le fait que pour Jonas, il y a une continuité des structures de l'être à la valeur. Oui, mais en même temps. Un enracinement de la valeur dans l'être.
Mais donc ça serait partiellement ontologique. Mais donc l'idée que. Maintenant, je ne sais pas si en fait Jonas, si ce qu'il dit, c'est vraiment ce qu'il prétend dire. Moi, j'aurais envie de sauver Jonas en regardant en détail. En non, 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 il n'a pas besoin d'être sauvé, il se sent tout seul. Donc, si je comprends bien, l'idée, par exemple, d'un devoir de l'humanité inscrite en elle-même de se maintenir dans l'être, tout ça, c'est de l'ontologisme à évacuer. Le problème, c'est l'utilisation du mot devoir. Si on est dans la cohérence du discours ontologique, on doit parler d'une tendance. Et l'idée lévinassienne, c'est que chaque fois qu'on utilise le lexique du devoir, on fait intervenir autre chose. Non, non, mais il y a un devoir de continuer à être. C'est-à-dire qu'il n'y a pas simplement une tendance, et même il y a peut-être la tendance inverse. C'est-à-dire, de chez Jonas, si je ne mésinterprète pas sa pensée, il y a une inscription des valeurs dans l'être lui-même. Dans l'être lui-même, qui fait que l'on peut dire qu'il y a une injonction de l'être à nous porter, à maintenir l'humanité. Bah, l'idée d'injonction de l'être, c'est l'idée réelle avec laquelle Jonas va résumer les choses comme ça, d'une manière de proposer. Devoir qui procède de l'être, ça serait incompatible avec les besoins de l'humanité. Et injonction de l'être, c'est typiquement ce qu'on trouve chez Heidegger. C'est ça le problème. Non, mais là... C'est-à-dire qu'on peut diagnostiquer qu'il y a des processus délétères qui peuvent démolir l'humanité, et on peut dire, on peut élaborer à partir de ça et s'adresser les uns aux autres un devoir de sauver l'humanité. Mais toute la pertinence de ce langage du devoir, si vous êtes lévinassien, devra être tirée d'autre chose que la simple évaluation métaphysique. Je ne crois pas du tout que Jonas soit sur ce plan dans la continuité. Là, je ne sais pas, parce que je ne connais pas. Laissons ce point. Deuxièmement, vous avez dit, l'œuvre de Lévinas, elle est part en part phénoménologique. Bon, dites-moi, pour penser le phénomène, il faut penser l'être. Il y a une corrélation nécessaire du l'être et du phénomène. Vous ne pouvez pas penser l'un sans l'autre. Est-ce que, par conséquent, penser l'autre dans qu'être, ça n'est pas sortir de ce lien indissociable de l'être et du paraître, de l'être ou du phénomène? Justement, là on rentre de nouveau dans des vieux différents, comme disait la philosophie française. J'observe que la phénoménologie française s'est beaucoup alignée sur ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que pour elle, il y a une corrélation du phénomène et de l'être. Et c'est ce qui est dit au paragraphe 7 de l'Insight, à nouveau. Mais je pense que la phénoménologie, comme entreprise de Servienne, au début, c'est pas ça. La phénoménologie, c'est chercher dans l'explicitation de nos structures, des structures du flux de conscience, chercher là-dedans les règles épistémologiques de notre connaissance. Et ça, c'est justement, c'est au contraire quelque chose qui est comme le sujet moderne tel que le décrit Lévinas dans Martin et Heidegger avec l'ontologie. C'était déjà une modalité, une façon de ne pas être accroché à l'ontologie, c'était la façon épistémologique. Et à l'origine, la phénoménologie, elle a ce démarrage-là. Mais comme la préoccupation épistémologique était totalement étrangère au continuateur de Husserl, ça a été oublié. Et donc on a une phénoménologie qui, à partir du paragraphe 7, est comprise, le phénomène est compris comme un se montrer, qui est un événement de l'être, et le Dasein lui-même est compris comme un acteur de l'être, et donc vous êtes dans l'ontologie. Non, non, mais je veux dire, chez Husserl aussi, vous prenez peut-être le Husserl des recherches logiques, peut-être, mais chez Husserl aussi, le phénomène est pensé par rapport à l'être, je suis désolé. Idéal, par exemple, le phénomène est pensé par rapport à l'être. Il n'est pas pensé comme, d'un point de vue, comme vous dites, uniquement phénoménologique. Et même si on se situe d'un point de vue phénoménologique, il y a quand même, vous avez dit à un certain moment que le sujet, il était hors de l'être. Et que Heidegger a réenraciné, réinscrit avec le Dasein, le sujet dans l'être. Mais il n'est jamais sorti de l'être, le sujet. Le sujet cartésien. C'est la première affirmation de l'être. Hein? Je suis, j'existe. Alors, le sujet n'a jamais été un sujet, hors-être. Hors-être. Alors, je vois ce que vous voulez dire. Moi, d'abord, je marquerai fortement la différence entre Husserl et Descartes à cet égard. D'ailleurs, c'est un aspect de la critique de Descartes par Husserl, précisément. C'est cette chose de citation de la subjectivité. Oui.
Je pense que dire que le phénomène est corrélatif de l'être tant il est un, c'est rapide. Ce qui est vrai, c'est que vous trouvez chez Husserl l'idée que la région conscience est une région de l'être. Vous trouvez aussi des passages dans Husserl où il dit que c'est une partie de l'être où il y a les objectivités de signification. Mm-hmm. Donc vous avez des moments où Husserl adopte lui-même un langage métaphysique incluant. Mais par ailleurs, l'idée que, en fait, si vous regardez l'idée 1, vous avez aussi un autre aspect qui est que ce qui est vraiment l'être, c'est le transcendant, et le transcendant, on ne l'a jamais. Donc on est toujours dans. Et donc on a une description de la phénoménalité, de l'intentionnalité, qui est purement dans les termes des structures de conscience. Oui. Et donc, alors maintenant, si. Je voudrais terminer en faisant la remarque suivante, c'est que la notion d'autre manquette, elle est logiquement intenable. Donc, c'est bien sûr, si vous dites que le sujet n'est pas, c'est directement auto-réfutatif. Mais c'est justement, si vous avez une évidence, vous comprenez que ce n'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est est-ce qu'on a des manières de décrire l'expérience humaine qui nous est commune sans la ramener aux coordonnées de ce qui est et à considérer que pour l'approcher à ce qui est, on a saisi le sens prépondérant, les explications prépondérantes, etc. Et donc l'orientation épistémologique, c'est une manière de ne pas s'en tenir à l'ontologisme du point de vue que j'ai vu. Je sais que l'évidence montre que votre enquête pourrait être considérée comme une expression contradictoire, et que justement c'est de ça qu'il s'agit. Et donc, quand l'évidence dit que le sujet moderne tend à être hors être, ce qu'il a en tête comme influence, à mon avis, c'est Kant. Et je pense qu'on peut soutenir ça sur Kant et chez Husserl, que dans l'orientation épistémologique qui est celle à la fois de Kant et de Husserl, il y a une première esquisse de ce qui s'appellera autre enquête. Et l'endroit où ça bouge, c'est quand vous avez les articles de Lévinas, où il dit qu'est-ce que c'est que ce statut d'exception de l'ego transcendantal chez Husserl. L'ego transcendantal, c'est l'instance devant qui toute chose doit comparaître pour être estampillée comme chose. Mais comment peut-elle avoir l'extériorité qui est la sienne? Et il dit si j'accepte le raisonnement ontologique ordinaire, il n'y a aucune légitimité de ça. Je vais toujours devoir réinclure l'ego transcendantal. C'est ce que vous disiez dans votre argumentation. Et alors justement, Lévinas dit l'élection. Pas dans l'intrigue éthique, et justement ce qui fond l'ego transcendantal. Parce que l'élection dans l'intrigue éthique, elle me singularise au-delà de tout rabattement qu'il faudrait concéder du point de vue de la carte ontologique des choses. L'élection. Et il y a deux articles hors sujet. Bon, tout cela ne peut pas devenir obscur. Ceci dit. Je vais pourtant essayer. Non, je ne conteste moins. Et d'habitude, on prétend que les formulations sont pédagogiques. J'essaie de penser ce qui arrive. Je ne suis pas pédagogique, auprès de tout élève. En quoi le Lilia serait le processus? En quoi? Pourquoi le Lilia, c'est le pur mouvement du processus? C'est pas le Lilia. C'est pas pourquoi, c'est comme ça que c'est écrit. C'est Lilia. Donc c'est un postulat. Non, mais je présente le thème des Lilias. Oui, d'accord. Non, mais est-ce que je vous interroge sur la pertinence Ce que dit Lévinas sur l'Iliade, comme qui est la figure de l'être de la tout étant, c'est exactement ça. C'est un bourdonnement, un réaménagement de la vie. Lisez-moi de l'écouter. Je laisse ça à côté, c'est l'élément. Et encore plus, pourquoi le corps serait-il arrachement à l'être? Non, mais vos questions. Si vous me dites Lévinas, je vous dis, moi je veux bien. La question est de savoir quelle est la pertinence de cette position. Oui, je comprends. En quoi le corps est-il arrachement à l'être? La question pour que vous êtes très loin de la philosophie de Lévinas, il y a encore débat avec elle, et donc chaque fois qu'il a un problème, elle vous dit pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire, c'est à n'importe quoi. Je comprends cette réaction. Je vous demande de m'expliquer ce que ça veut dire. Alors, le corps, non, alors, l'idée c'est que le corps, il le comprend essentiellement sous l'angle de la surréférence. Pourquoi la sous-référence sortie de l'être? La sous-référence par rapport à l'IA, c'est le fait d'affirmer un ici et un maintenant qui n'est pas localisé par rapport à l'environnement de l'être. Donc ce qu'il voit dans la sous-totalité, c'est justement l'affirmation d'un ici et un maintenant qui n'est pas originairement relativisé à l'englobant universel de l'être. Et il rattache le corps à ça. Donc c'est une compréhension du corps où dans le corps, il voit. Disons une composante d'une expérience d'arrachement, si vous voulez le dire de cette façon-là. Mais encore une fois, c'est toujours la même chose. Vous voudriez avoir une démonstration, à la limite, par la théorie quantique des champs, du fait
fait que nous pouvons avoir un corps qui soit autrement qu'être. Ça, vous n'aurez pas. Non, non, je veux simplement une argumentation qui me permette de comprendre de quoi il s'agit. Non, mais là, c'est pas votre faute, hein. Non, mais c'est la, c'est la question c'est de la phénoménologie. Est-ce que vous pouvez comprendre que... La phénoménologie ne nous dit jamais que le corps, nous voyons aucune expérience qui peut nous permettre de dire que le corps, c'est la sortie de l'être. Alors, je suis désolé. Le contenu de l'expérience que Lévinas essaie de nous faire partager, c'est que être un corps, c'est sans arrêt être un ici et maintenant, et on n'a pas besoin du cadre général de l'être pour donner sens à cet ici et maintenant. Et notre corps, il a ce sens-là. Avant d'être l'objet de la biologie, avant d'être un synonyme de tout corps qui est un étant dans l'être et qui va pouvoir donner lieu à la physique mathématique, notre corps, il est l'expérience d'une sui-référence qui n'a pas besoin de cadre. Et c'est ça qui est une des modalités de la signification autrement qu'être. La sui-référence, je vous dis, c'est exactement ce qui intervient dans les théories du Conatus. On montre que le corps, justement, il a une unité, il a une référence à lui-même, et c'est cela même qui le porte à se maintenir dans l'être. Alors là, vous convergez avec ce que j'ai dit, parce que j'ai dit que le Conatus et Sandi, c'est une retraduction ontologique de la même chose. C'est exactement ce que j'ai dit. Ah, parfait, on est d'accord. Est-ce qu'il y a des questions, Gérard? Je voudrais revenir sur cet échange que vous avez eu, et au fond sur les questions qui ont été posées par Richard. Peut-être de l'autre bord, c'est-à-dire dedans même de Lévinas. Tu es parti d'une définition générale de l'ontologie, qui est un terme qui a une longue histoire, qui est lié au néotomisme du 19e siècle. Enfin. Et tu as semblé dire, mais peut-être que j'ai mal entendu, que au fond, je te cite, Lévinas n'est pas l'ennemi de l'être, il est l'ennemi de. Donc il n'est pas l'ennemi de l'ontologie. De l'ontologisme, c'est-à-dire l'ennemi de l'être se faisant valoir. Si cette proposition est juste, on pourrait tirer la conclusion que Lévinas propose que l'être propose de laisser l'être être. Hors de sa valeur, hors l'horreur de l'être, on parle de Lévinas, c'est qu'il est. C'est pas tellement qu'il est comme valeur, c'est qu'il est pour, qu'il est sans pourquoi, qu'il est sans raison d'être ou de n'être pas, sans raison d'être ceci ou d'être cela, d'être autrement. Donc, il y a quelque chose là que me paraît difficilement recevable. Ça fait d'ailleurs écho à ce que tu as dit à propos de. Tu as parlé à un certain moment. Alors, c'est vrai que ces thèmes, je les extrais de ton propos, de son économie générale, parce que ce sont ceux qui m'interpellent, que j'y soupçonne des désaccords profonds. Tu as parlé de l'absurdité de l'Ilia. Bien sûr, l'absurdité de l'Ilia, c'est l'absurdité d'un exister sans existant. Il y a un petit passage de Lévinas dit, pour Heidegger, un exister sans existant est parfaitement absurde. Mais il ajoute, et c'est le sens même de ce qu'il y a, il se trouve que cet absurde est, c'est-à-dire d'une certaine manière, que l'être soit, selon la modalité de l'IA, est absurde. Il y a une absurdité de l'être, il y a une horreur de l'être, donc il est difficile de sortir. Il y a peut-être un rapport entre ça, c'est un lien un peu flou, un peu lâche, un peu plaisant, mais qui croiserait la question du rapport entre l'être et le phénomène. Ton propos liminaire consiste à dire aussi, je pense que Lévinas est de part en part un phénoménologue. Ça me paraît pas si simple. Je pense que Lévinas a un problème, disons la chose comme ça, avec la phénoménologie, qui est assez homologue au problème que Heidegger peut avoir avec la phénoménologie. C'est-à-dire que si l'étant, pour Heidegger, si l'étant tel qu'il se montre ne fait que se montrer lui-même, sans montrer le retrait de l'être à même l'étant qui se montre, c'est-à-dire à ce moment-là, se montrer phénoménal et biaisé, c'est la question pour Heidegger du rapport entre phénoménologie et ontologie, justement dans le point de l'arsène, et du coup, le projet heideggerien de l'ontologie qu'on a se trouve compromis. Avec Lévinas, c'est quelque chose d'assez semblable. Si le visage, et ce qui se montre, s'il est simplement apparent, s'il est tout entier dans son apparaître sensible, plastique, phénoménal, etc., alors l'éthique du visage, l'éthique de la responsabilité, comme défection du phénomène, dit-il,
se trouve à son tour compromise. Donc il me semble que l'un et l'autre, sur des projets qui sont sensibles, qui sont très profondément différents, ça va de soi, mais l'un et l'autre ont le même problème avec la phénoménologie, ou ce rien, disons, c'est-à-dire que, et en même temps, l'un et l'autre ont un rapport intime à la phénoménologie. Je ne suis pas en train de dire que c'est la philosophie qu'ils ont sucé avec le lait de leur mère. La phénoménologie, donc le rapport qu'ils ont à la phénoménologie, c'est la condition de possibilité de l'ontologie fondamentale pour Heidegger, de l'éthique de la responsabilité pour Lévinas, mais c'est la condition de possibilité de ceci qu'à la condition, on aurait donc une sorte de condition de la condition, qu'à la condition d'être destitué de cet éthique, au sens où Lévinas parle de la défection de tout phénomène, de toute phénoménalité. Alors, je voudrais répondre, je reconnais des désaccords qui sont les nôtres depuis très longtemps. Ouais. Je voudrais juste essayer de clarifier deux points. Le premier, c'est, tu as commencé en disant l'ontologie, c'est juste prendre l'être comme valeur, ça c'est ce que je soutiens, et tu as enchaîné en disant, est-ce que ça voudrait dire qu'il faut laisser l'être être? Alors, justement, si ça c'est une forme de l'ontologie, laisser l'être être, ça veut dire, c'est une des manières de formuler l'ontologie comme valeur. C'est-à-dire que l'être, dans sa manifestation, est déjà une modalité du bien, et donc il faut la laisser. Et justement, si on est anti-ontologiste, on ne va pas accepter qu'un tel slogan. Il y a des tas de slogans qui dérivent la valeur de l'être. C'en est un, celui-là. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, dans un moment, tu as dit que le problème de l'être pour Lévinas, je sais bien qu'il y a des textes où il dit que c'est son illimitation, des choses comme ça, mais où c'est sa puissance. Mais moi, je pense que tous ces textes-là sont à lire comme je le suggère. C'est-à-dire chaque... Parce que c'est pas l'être lui-même qui devient horreur par une modalité quelconque de cet exercice. C'est très bizarre comme idée, ça voudrait dire que la physique devrait apprendre à mesurer des cas des processus physiques qui sont des débordements de l'être. C'est à peine intelligible. Ce qui est beaucoup plus compréhensible, c'est qu'il y a des tas de cas où nous voyons que nous, l'humanité, nous sommes en train de rendre extrêmement puissante parmi nous une axiologie qui en fait prend l'être comme mesure et nous déchaînons des horreurs de cette façon-là. Moi, c'est comme ça que je vais dire. Donc ça, c'est ma réponse sur la première partie de ton intervention. La seconde partie, c'est sur la question de Lévinas et la phénoménologie. Et la réponse que tu me fais, je la comprends parfaitement et j'ai lu le même texte que toi et j'adhère à ce que tu en dis, à beaucoup d'égards. C'est-à-dire que ce qui est vrai, et Lévinas insiste beaucoup là-dessus, c'est que autrui ne doit pas être compris purement sous l'angle de la phénoménologie. Ça, c'est vrai. Mais en revanche, la philosophie de Lévinas fait une phénoménologie éthique. C'est-à-dire nous décrit la signification éthique à partir d'un certain nombre d'expériences qui sont les expériences privilégiées et canoniques pour accéder à la signification éthique. Et donc, si tu veux, on n'est pas sur le même plan. Moi, je vois Lévinas comme phénoménologique dans sa pratique générale d'attestation et de présentation de ses idées majeures. Et évidemment, un des aspects de sa phénoménologie, c'est qu'elle nous interdit de comprendre au sens de la phénoménologie de la perception standard autrui. Ça, c'est vrai. Et elle se fonde surtout sur des expériences, je suis d'accord avec la moitié de ton énoncé, des expériences qui, je cite Lévinas dans l'existence, dans l'existence, les expériences fondamentales, les expériences les plus importantes de notre vie, qui sont à proprement parler non vécues par nous. Voilà la limite de ton corps. Il y a certainement quelque chose qui est de l'ordre de l'expérience. Lyotard, que tu connais bien dans Le Différent, a dit ces choses-là de façon merveilleuse. Bien sûr, expérience, mais pas expérience au sens ni hegélien vers Faron, ni husserlien vers Leibniz, une expérience à proprement parler non vécue par nous. Alors, il ouvre un autre champ du débat qui est la question de l'expérience. Alors, moi je dirais que c'est l'expérience, si je la comprends dans une situation gymnastienne, je serais presque d'accord avec toi pour dire que ce n'est pas une expérience vécue, au sens où ce n'est pas une expérience qui recueille de l'expérimenté dans le vécu. Ça, c'est vrai. Ça, c'est l'idée qu'il ne faut pas comprendre l'expérience comme enregistrement. Mais d'un autre côté, ça, c'est une expérience vécue au sens où tout ce qui entre en jeu dans cette expérience, il faut qu'il y en ait une épreuve. Sinon, ce n'est pas une expérience. Et ça, il y a beaucoup de gens qui théorisent l'expérience de manière assujettive. On peut revenir à Deleuze, par exemple, de nouveau. Et pour qui ce critère doit sauter. Je pense que pour Lévinas, ce critère ne saute jamais. Ça, c'est sa fidélité au soi. Et je sais qu'on n'est pas d'accord, je suis désolé.
Il y a d'autres questions. J'avais une question ici sur la question du féminin dont vous avez parlé et si cette considération du féminin comme altérité, surtout dans la quatrième partie de Totalité infinie, oui. Cette considération du féminin comme altérité, ma question c'est en gros si Lévinas ne se place pas peut-être, disons, dans cette première personne singulier hétérosexuel. Et la question, c'est peut-être une contradiction, ou comment est-ce qu'on peut comprendre alors, disons, la place de cette sexualité, je ne sais pas comment le dire, alternative, qui ne correspond pas à cette perspective singulière, hétérosexuelle, un peu mâle, qui a été d'une certaine façon dominante dans la... Écoutez, je sais que c'est la lecture la plus habituelle de ce passage, moi personnellement je ne la comprends même pas. Mais à mon avis, le féminin, donc dans une, j'ai insisté là-dessus, c'est une phénoménologie de la première personne masculine et hétérosexuelle, le féminin, il est déterminé comme pudeur offensée. Et en fait, cette caractérisation du désir sexuel, moi, j'aime bien utiliser des mots forts qui portent l'idée un peu au-delà d'elle-même, parce que c'est frappant. Ce que je trouve extraordinaire, c'est que c'est une définition pornographique, c'est vraiment ça. Et donc, la question c'est, est-ce que c'est transposable aux autres modalités du désir? Moi, je vous dis, je pense que oui. Je pense que le désir féminin est aussi pornographique que le désir masculin décrit par Lévinas, et que le désir homosexuel, féminin et masculin, est pareillement pornographique. Donc je pense qu'il met le nez dans notre caca, Lévinas. Pornographique? Dans ce sens-là, que je viens de faire. Que ça. La pudeur offensée. La pudeur offensée serait pornographique? Je pense que... Les présentations pornographiques, c'est là-dessus qu'elles jouent. Elles nous montrent sans arrêt la pudeur offensée qui s'exprime. Oui, très ponctuellement, cette question, c'est juste sur ce point-là pour le coup. On est dans le sens de Jean-Michel. Je suis moi aussi très frappé, je pense, qu'on peut dire qu'à certains passages dans le Totalité infinie, effectivement, présente le désir sexuel du côté pornographique. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire effectivement qu'il y a ce point de contraste extrêmement fort entre deux nudités. La nudité du visage, la nudité du visage, mais c'est l'éthique même, c'est la franchise du visage, c'est le fait que le dénuement éthique du visage dans ta tête, etc. Donc, et en même temps, plus décrit là, le corps d'autrui, en l'occurrence le corps de la femme, puisqu'effectivement c'est produit depuis un peu plus concentré, comme non seulement n'étant plus le visage qui m'interpelle, mais n'étant plus même l'objet qui a une forme, et par exemple n'étant plus l'outil qui fonctionne, hein, j'ai un corps, ça me garde l'éternité, etc., mais comme l'élément dont on se repère, comme la nourriture. Comme le corps d'autrui rejoint la dimension de ce qu'il décrit par ailleurs comme l'élémental. Et donc, bon, c'est assez intéressant de noter que Lévinas n'écarte absolument pas, et même place au cœur de l'expérience du désir sexuel, cette description qu'en ce sens, mais toujours pour dire, il y a un effet de contraste. Et c'est tous ces jeux de ce que Jean-Michel doit appeler pudeur en français, c'est que si c'est l'intrigue du désir, c'est que le visage est maintenu au sein même, il y a toute cette thématique qu'on peut discuter, au sein même de sa profanation, etc., toujours les deux ensemble. C'est que le visage, c'est une nudité maintenue dans l'autre, jusqu'au bout, hein, donc l'éthique dans le corps de la femme. Enfin, en tous les cas, il y a des jeux qui sont assez intéressants. C'est un passage fascinant. Bien. C'est pas ce que je pense de ce genre de pensée. Bon, y a-t-il d'autres questions? Non? Bon, ben, écoutez, si vous n'avez plus de questions, écoutez, je vous remercie beaucoup de vous exposer. Nous allons le déjeuner et nous reprendrons nos travaux à 15h. Vous pouvez laisser vos...